Oh là, je pense qu'il y a trop de, il y a trop de vent, vous devez pas m'entendre. Moins que le micro soit pas le bon. Sérieux, le son était OK? Je sais pas, ça me semblait bouger beaucoup trop pour que ça soit OK. Bon, bah si c'est OK, on va aller là-dessus. Du coup, bien le bonsoir, Rob Bastro. Bien le bonsoir, Willow. Tu n'es pas Prums. J'étais Prums à dire Prums. Ouais, OK. bien le bonsoir, Titane. Donc, j'ai suivi ton conseil. Me voilà en IRL. Bien le bonsoir, Général Lee. J'arrive. Ah, il y a des aurores partout. Je peux vous faire un petit panorama vite fait. Voilà, il y a des aurores absolument partout. C'est complètement ouf. Bon, c'était un peu prévu, hein, mais bien le bonsoir Benji. S'il y a trop de vent, tu peux fermer la fenêtre. oui, on t'entend, nickel. Omelette au fromage, c'est ouf. Et bienvenue parmi nous, mon cher omelette au fromage. Ouais, c'est ouf. Vous devriez en voir en France, hein, d'ailleurs. Je sais pas si c'est déjà visible ou pas en France, mais ça sera visible en France. Il n'y a aucun doute là-dessus. S'il pouvait pas m'attendre. Je croyais que c'était un screenshot. Non, 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 c'est des aurores, c'est des aurores. Ça bouge. Alors par contre, j'ai pas tout à fait fini de m'installer. Je pensais avoir amené la musique. J'ai oublié d'amener la musique. J'ai un espèce de setup à la con pour la batterie de la caméra et je suis pas certain que ça. Ah oui, tiens, d'ailleurs, je vais tenter. Est-ce que ça marche si je branche comme ça? Le petit bouton charge s'affiche pas. Bon, je sais pas. Je sais pas si on va avoir combien de temps on va avoir de batterie. Mais ben en attendant, on profite. Hein. Mais là, ouais, c'est complètement fou. Il y en a littéralement partout. Et donc, ouais, il n'y aura pas de musique hein, ce soir. Donc, ça sera Aurore en mode chill. Sans musique. Non, je ne chanterai pas. Ah, Général Lee chante une chanson. Et merci, 4F, pour ton raid. J'espère que ton stream s'est bien passé. D'ailleurs, je suis en train de penser. Je vais partager le fait que je suis en train de streamer chez le Café des Sciences, parce que ça peut peut-être les intéresser. Voilà. Je vais peut-être aussi, tiens, je vais faire un message sur Twitter. Alors, je vais prendre une photo.
Ah oui, il faut que je copie. Alors, je vais remettre ma fenêtre OBS pour voir ce qui se passe. Besoin de... Ouais, là, je veux bien que tu lises le chat, Generali. Je suis complètement à l'arrache, là. Eh bien, bonsoir, ex. Mais là, je pense qu'on est parti pour un petit moment de... Enfin, je ne sais pas combien de temps mes batteries vont tenir, mais il va y avoir des aurores un peu partout pendant un moment. Eh bien, le bonsoir, JP. Alors, techniquement, je n'ai pas fini de me préparer, hein, mais bon, comme ça, au moins, je peux papoter et vous m'entendez. Alors... Je peux pas copier le lien de ma chaîne quelque part là. My channel. Bon, va faire autrement. De le poster sur Blue Sky parce qu'il n'y a pas de raison. Y a pas mal de monde qui est en train d'arriver là. Mon spot est définitivement connu. C'est qui? Je sais pas, c'est des gens. C'est fait qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur les streams de gens. C'est du cake, il ne te faut pas manger tout ce qu'on voit sur les streams gens. Pop, comment est-ce que j'ajoute une photo? Mais je vais ajouter une photo en fait. Non, pas un gif. J'ai pas activé le vocal. J'ai pas activé le vocal, mais si tu veux, je peux activer le vocal. Alors attends, j'ai emmené mon casque sans fil. Allez. Non, mais en fait, je veux rejoindre. Ah, est-ce que c'est parce que... Mais je peux déjà te dire que tu es au bon endroit, Generali, pour le vocal. Alors par contre, attends, faut peut-être que... je pense qu'il faut... Non, le Discord a priori devrait être OK. Et Clara Loulette, bienvenue parmi nous et merci pour le follow. Alors je suis encore à l'arrache, hein. Je ne sais pas depuis combien de temps t'écoutes, mais je suis encore à l'arrache, donc je ne suis pas vraiment ce qui se passe dans le chat. Ah, tiens, je t'entends. Il y a du progrès. Ah bon, parce que moi, il voulait pas que je m'y mette. Là, par contre, je t'entends hyper mal. Je ne sais pas si le problème vient de... parce que le stream prend toute la bande passante. Et normalement... Ah, on ne peut pas t'entendre dans... Voilà, là, on va pouvoir t'entendre dans le live. Le live est figé. Le live est Pas figé? fini, hein. Non, il est... le live est Oui. figé. Moi, Chez ça... moi? Chez moi, ouais. Attends, je relance Twitch. Normalement, tu dois voir des petites... Les... Et Des ça y est, petites... non, c'est bon, ça y est, c'est bon. Ouais, y a les lumières qui Non, clignotent c'est qui nous bon. servent de repère. D'accord.
Bon, alors a Est-ce priori, si. que sur le live, vous m'entendez? Oui, au passage, confirmez sur le live que vous entendez. Oui, on entend. Nickel. Merci, Rob. Alors, par contre, ouais, comme je disais, chez moi, c'est haché. Je suppose que pour le stream, c'est haché aussi. Je ne sais pas si c'est parce que. Ouais, comme je suis sur le téléphone, sur la 5G, peut-être que le stream sature Ah, le. donc ça va pas t'aider que je reste alors. Bah écoute, a priori, tant que ça marche, ça marche. Est-ce que tu veux que je parle plus fort? Je sais pas. Non, en termes de volume, je pense que c'est bon. Bon. Je Je pense sais qu'il y que. a mon frère qui regarde. Ah! Eh ben, passe le bonjour à ton frère. Et bonjour au frère de Generali. Alors, j'essaie de regarder si c'est pas un petit peu mieux ailleurs. Je vais tourner un peu la caméra pour voir. Nico a des aurores boréales en direct aussi. Ouais, ça m'étonne pas. C'est un peu le bordel autour de moi aussi. Ouais, Pour là, ça, c'est. essaye de rester sur les aurores. Mais. Willow, je vais t'en mettre une. Willow qui dit oui, on t'entend malheureusement. C'est un peu vache, c'est un peu vache. Alors, par contre, sur le stream, je vais me mettre en. Ben non, je vais. Ah, ouais, ça va être bizarre là. Attends, est-ce que je peux tenter un truc? Tenter des trucs en direct, c'est une très bonne idée ce que je suis en train de faire. Alors, JP, non, je ne suis pas encore à Bergen. C'est dans 2 semaines que j'y serai. Je suis encore à Lyon. C'est rageant. Bah, Si ça je se t'envoie passe, pas. ça sera surtout rageant si t'en vois pas, quoi. Oui, voilà. Je regardais les météos aussi. Pas top. Alors, hop, hop. Ah, ton frangin nous écoute, donc on ne peut pas tout dire. Bof. Je m'en fous, hein. Après, je ne sais pas s'il écoute longtemps. Hein. Écho. Ah. Ouais, c'est normal, c'est Il y a un normal. écho? Normalement, il n'y a plus d'écho là. Ah, deux gens. D'accord. Attends, 2 secondes, je reviens. Que je suis en train de voir pour essayer de mettre un autre micro, enfin pour mettre le micro de mon casque. Hop, revenu. C'est bien après une soirée de d'avoir des aurores boréales, quoi. Ah, oui, si quelqu'un a une soirée de merde. Moi. Non. Non, non, mais moi. Non. Ah, c'est toi qui Trop de t'as une gens. journée de merde? Bah, on a eu l'assemblée générale de la copropriété, donc. Ça peut 50 être. propriétaires, on n'était que 13. Ouais, c'est vrai. Alors, past filters. Oui, c'est bon. Hop, oui, ça tu dégages. Close. Alors. Comment tu me parles, ça, tu dégages? Attends, je parlais plus pour éviter qu'il y ait un écho. Ouh là, je sature. Je parlais plus pour éviter qu'il y ait un écho. Parce que là, j'ai activé, le micro de mon casque. J'ai activé le micro de mon casque comme micro au lieu d'avoir le micro de la caméra, de l'ordinateur. Et pour éviter qu'il y ait un écho, il fallait que je mute les deux. Et donc là, normalement, son de Jean, OK. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est toujours son OK pour moi? Ah. Tiens. Confirmez, s'il vous plaît. Son OK pour moi. Oui, alors JP, c'est pas pour toi que je veux que le son soit OK, c'est pour que le mien soit OK. Soit OK, mais un peu de lag. Toujours OK, dit Willow. Ok. Alors un peu de lag, ouais, il y a peut-être, bah, comme je disais, hein, je suis sur téléphone, donc je sais pas à quel point ça stream bien.
Au niveau des Alors. images, c'est vraiment beau. Oui, on t'entend, dit JP. Nickel. T'inquiète pas. Stats. Alors, activons les stats, histoire que je vois un petit peu. Allez, doc-moi les stats ici, s'il te plaît. Allez, je veux que tu me doques les stats. Bon, tu veux pas me docker les stats? Ah ouais, j'ai 6% de frames qui tombent quand même, hein. C'est pas beaucoup. Bah, 6%, ça commence à être bien, mais pas ouf, quoi. Je sais pas si je peux mettre le téléphone ailleurs. Ah, vous m'avez vu, désolé. Ah ben non, j'étais en train d'écrire mon frère, moi. C'est quand que la batterie est vide? Ça, j'en sais rien du tout. J'ose espérer que ça va tenir un peu. Mais je peux rien garantir. Alors, vu que maintenant je... Vient d'avoir une. Il y a eu un bolide qui vient de passer. Évidemment, je ne l'ai pas vu. Merde! Mais regarde pas le stream, je lis. Étoiles filantes, voilà. Oh, les étoiles filantes, dit JP et Polo. Alors, Bonjour, attendez. Polo. Ah, bonjour Polo. Je ne vois pas ce qui se passe sur le... Voilà. Voilà, juste au-dessus de la tête. Une corona? Oh, vache. C'est une corona. Et du coup, moi, Je veux aussi par ici. Voilà. je vais installer... Occupe-toi du, voilà, occupe-toi du ciel. Je vais installer mes appareils photo. Ah, je peux peut-être augmenter un peu la luminosité. Non, j'ai dit augmenter. 15 frames par seconde. Vache. Je fais la même chose. Un jour, il y aura un télescope sur la jambe mobile, dit JP. Bah écoute, si tu me l'offres. Allez, JP. La mise au J'espère point que a ma mère bougé? qui est... Y a quoi? Mise au point? Je sais pas, il y a Apollo qui Non. dit la mise au point a bougé. MAP, ok. La map a bougé. Non, Je elle prends devrait pas bouger. l'application. Non. Je prends les tickets resto. Non, je ne prends pas les tickets resto. Désolé. Corona est plus jolie avec un quart de citron vert. D'accord. Faut pas les alcooliser. Alors, par contre, Générali, vu que tu es en audio, tu vas aussi me permettre, quand je regarde pas l'écran, ce qui va être la majorité du temps, je pense, ce soir. Ah, tu vas prendre des photos? Ouais, tu vas pouvoir me dire quand ce qu'on voit est pas optimal ou que ça a disparu ou je ne sais quoi. Ah, ça bouge. Ah, c'est magnifique. Sérieux, j'ai envie de pleurer. Corona, c'est mieux avec un masque bleu aussi. Voilà. Oh là. C'est... Mes viewers ont du talent. Mais là, très honnêtement, je ne sais pas où pointer la caméra parce qu'il y en a partout. Ouais. C'est littéralement l'intégralité. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Bah, d'ailleurs, à Bergen, je crois que j'ai vu ça qu'une seule fois. L'intégralité du ciel a des aurores. Astronico, Benji était chez Astronico, mais il est en live sur YouTube. Alors ça bouge et ça change de couleur. Ah, Nico, coucou mon petit Nico. Ah, Nico qui débarque dans mon... Ouais, juste sans faire coucou. Ah, ben, coucou, Viens, dis Nico! ce que tu veux. Ah Qu'est-ce non, qu'il y il est a? en live. Il dit viens, Didi, si tu veux. Mais Ben, ouais, mais je suis sur mon Discord à moi. Ah, ceci dit... Ah ouais, non, je pourrais pas... C'est configuré pour mon Discord, c'est pas configuré pour un autre canal. J'allais dire, je ah, pourrais me bienvenue, mettre... bienvenue Eric Coincoin. Ah, bienvenue Elim et Olim Paris, hein? Voilà. Olympe Paris. Eh ben, j'attends, j'arrive. Attends, j'arrive. Ah bah écoute, débarque mon cher Nico, tu es le bienvenu, tu le sais bien, hein. Vois tes viewers aussi. Si tu fais pas un live, parce que je te vois pas en live, Nico, à moins que tu es sur YouTube. Là, ça devient violet, là, c'est magnifique. Waouh. Et moi, je vois rien parce que je suis en train de m'embêter avec mes autres appareils. Ah, Ah, Nico?
Et Comment salut! Alors, ça peut être bien chez vous? C'est comme je disais, il y a littéralement des aurores partout. Ben, Voilà. on a l'Alsace aussi. Je suis Ah, en yeah. train de le montrer, mais via YouTube, moi, là, pour le coup. Ah, t'es sur YouTube, hein? Ok, bonjour Ouais. YouTube alors. Ouais, Ah, mais on est quand tu sur dis qu'il y en a YouTube. partout en Alsace, t'en as au-dessus de la tête en Alsace? Alors, ça monte très haut. Ça monte vraiment très haut. Là, je commence à voir les colonnes. Je sais pas si tu as. Ah, ben non, tu n'auras pas accès à mon live, mais en gros, là, on commence à avoir des colonnes et du vert qui apparaît là sur. Attends, faut que j'envoie un message à mes sœurs parce qu'elles sont à Colmar. Donc, oh putain, la corona, elle est jolie. Ah, t'as vu la violette là? Oh maman! J'en suis pas à ton stade, mais franchement, c'est joli chez nous aussi. Tout à l'heure, c'était visible à l'œil nu en début de soirée, quand Ah il commence à bien faire vache! nuit. C'était plutôt Nous, pas il mal. pleut. Nous, il pleut à Lyon. C'est dégueulasse. Ma sœur me dit Ah, c'est qu'il ballot. pleut à Colmar. Ah, bah, ils n'ont pas de bol parce que moi, chez moi, il n'y a pas de pluie. Ah, t'as Hein. quand même pas mal de nuages, quand même, Ouais, Nico. mais il n'y a pas un pet de flotte. Ça passe vraiment au nord. Je suis en train de surveiller les écrans. Oh là là, le vert qui pète chez moi aussi maintenant. Je suis en train de Ah surveiller les écrans météo. Je fais gaffe quand même. Parce que bon. Voilà. Du coup, ça a duré toute la nuit d'après toi? là, il y a des chances, ouais. Ouais. Il y a des grosses, grosses chances que ça dure toute la nuit. Oh, ça va être génial, ça. Si Parce ça que dure toute la nuit, ça va être cool. là, c'est vraiment une grosse éjection coronale hein, qu'il y a eu. Donc là, il y a vraiment des grosses chances que ça dure toute la nuit. Tu vois ce que tu nous disais la dernière fois, là, l'histoire du capé, là, comme quoi c'est pas forcément juste. Là, on était capé 8, il n'y avait rien au début de soirée. Et là, on est descendu capé 6. Et Et ça bah là, c'est pète. encore plus fort que tout à l'heure. Et là, c'est violent parce que j'ai des belles colonnes qui se dessinent dans le ciel. C'est super chouette. C'est vraiment Ouais, joli. mais c'est toujours le problème avec le capé, c'est que le capé, il moyenne sur 3 heures. Et sur toute la planète. Donc, quand tu as une substorm, bah, le capé, il sert à rien. C'est dommage quand même que ta sœur, elle n'ait pas le ciel parce que là, purée, moi, j'ai du vert là. C'est ouf, quoi. Alors, bienvenue Yunelan aussi. Bon après, pour citer complètement son message, entre grippe, Vosges, pollution lumineuse et pluie. Ah ouais, elle cumule quoi. Donc, La grippe, hein, Michette. alors, 21 personnes, Jean, hein, putain. sur le live. 21 personnes sur le live. Waouh, la vache. C'est beau. C'est chaud, Lipo. En plus, toi, c'est pas souvent que t'en as à Bergen quand même, hein. Ah, au-dessus de la tête, non. Au-dessus de la tête, c'est très rare. Mais là, je suis en train de prendre Regarde. des photos et ouah, bordel, avec l'appareil Regardez défiltré. ce que Jean il a. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne Twitch, comme ça vous irez voir aussi ce qu'il a Ouais, chez lui. venez. Parce que c'est vrai que c'est impressionnant aussi. Alors attendez, hop, faut que je remette ça. Tac. Jean, on voit un peu moins. On voit du rouge et un peu de vert. Mais ouais, ça. C'est moins explosif que la dernière fois. Ouais, bon, c'est Ouais, quand même chouette, hein. je pense qu'on est sur la fin de la substorm là. Ça va se calmer un peu avant de repéter à nouveau. Alors, attends, ah, le Et je fais problème. un coucou à mon neveu Joris qui t'écoute. Le problème, c'est que là, je peux pas mettre plus vertical sur Ah oui, si, là, ouais, si, là, ouais, reste comme ça. Voilà. mon. Et bienvenue, TPT Vénère. TPT Vénère, T'es eh bien, vénère. Eh, bienvenue pas parmi mal, nous. Peut-être Vénère, hein. Bienvenue Eh, parmi mais nous. je me Voilà. posais une question. À quel moment t'as du beau temps, toi? Eh bien, écoute, C'est rare. hier, c'était la tempête. Demain, c'est la tempête. Et aujourd'hui, c'est la tempête solaire. Ah bah voilà. Je t'avoue que je ne vais pas m'en plaindre. Donc ça pète de partout. Donc là, c'est. Ouais, putain, il y en a partout et c'est rouge à l'œil nu, quoi. C'est Yunelan ouf. demande, il y a une grande diff avec ce qu'on voit irait à la cam. Voilà. Là, Est-ce que. je vois pas très bien. Alors, c'est très rare, mais là, pour le coup, je vois assez mal le vert. Par contre, le rouge est très clair à l'œil nu. D'accord. Ah, ça doit péter fort tout en haut plus qu'autre chose. Ben, là, je suis littéralement pointé à la verticale. Le problème, c'est que je suis à la verticale. Alors, à moins que tu attends. Je suis à Pas. la verticale et je ne peux pas pointer plus.
Et Alan te remercie pour la réponse. Voilà. Ouais, je suis désolé les gens dans le stream, mais là je regarde pas du tout le chat. Ah, c'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que je dis bonjour à mon neveu qui vous écoute. Et il t'a même un satellite qui est en train de passer. Ah non, on a eu tout à l'heure un bolide. Ah bah bien. Alors après c'est vrai que le live stream comme ça c'est pas mal aussi. Hein. Bah, ce qui est cool, c'est que comme je suis en train d'aussi enregistrer sur l'appareil photo, je pourrais vérifier le bolide après. Ouais, voilà. Et c'était vraiment au début, on a vu une étoile filante, quoi. Et là, on voit bien la corona. Donc, c'est au-dessus de ta tête, quoi. Ah oui, ouais, c'est littéralement au-dessus de ma tête. Alors, j'ai Francis Delphite qui me demande, j'arrive à un instant, ça se passe où là, alors, moi, je suis en Alsace, et puis celui que t'entends et qui a une voix un peu plus grave que moi, tu sais, qui a une vraie voix de bonhomme, en vrai, il est en Norvège. Une voix de bonhomme. Et donc, lui, au plafond, c'est encore plus impressionnant. Si tu veux aller voir, tu peux y aller. Il y a son lien là sur sa chaîne. Il est aussi en live, du coup, mais lui, sur l'autre plateforme Twitch. Et du coup, ouais, ça pète assez sévère ce soir. Ça va être assez sympa cette nuit-là. Ça promet d'être bien zolibo. D'ailleurs, là, il y a deux douzaines de personnes autour de moi. Voilà. Il y en a qui viennent d'Angleterre. Là. Hello from the UK, the Game Sting. Hello, the Game Sting. Welcome. Et bienvenue parmi nous, Christian Costa. Oh la vache. Ça, ce soir, là, les aurores, c'est festival, c'est vendeur. Ouais. Ouais. On a fait de la pub un peu partout aussi. Hein. Ah, merci. Alors, il faut que je bouge le trépied parce que là, c'est trop difficile d'accès au milieu des sacs. Est-ce que je peux faire un... Il y a drage. Alors... Ah, ça peut être chez toi aussi, c'est cool. Il y en a qui me posent une question. C'est bien, c'est bas dans le ciel. Bah, en fait, ça va jusqu'à la Grande Ourse là. Donc, en gros, tu peux y aller. Hein. J'essaie de trouver un cadrage sympa. Ah putain, ça me saoule. Alors. Là, j'ai l'impression que c'est figé le stream, non ? Ça bouge ou pas ? Est-ce que c'est figé ? Ouais. C'est figé chez moi ? Attends, non, c'est pas figé. Non, c'est une impression. Non, c'est figé chez moi. C'est figé ? Ouais, je vois sur le retour, c'est figé. Ah merde. Alors attendez. C'est la faute à Nico, ça. Ouais, ça va être ma faute. À chaque fois que je débarque, de toute façon, c'est le bordel chez quelqu'un. C'est bien compris. Non, c'est... Bon. Là, c'est de ma faute. C'est que je tripote dans tous les sens et forcément, bah, ça fait des bêtises. Ouais, direction de la Grande Ourse et vers l'est. Ouais, un peu. En fait, tu te mets sous l'étoile polaire. Tu regardes en dessous et tu verras. La caméra. Pourquoi j'y vais ? Sous l'étoile polaire à hauteur de la Grande Ourse et tu les auras. Hein. Si vous avez accès à la Grande Ourse, vous allez le voir. Hein. Parce que là, moi, je les vois à l'œil nu. Je suis allé voir il y a 5 minutes. Voilà. Ah, fais voir. Oui. Oh la vache. Ça m'énerve. Yo, Kevin. Je veux le voir. Putain, j'ai presque trop chaud. Ah, et c'est sympa avec les Pléiades en plus. Ouais. Toi, là, alors, comme je disais, si ça vous intéresse, il y a aussi Jean, mais qui habite en Norvège, lui, les gens sur YouTube, qui est en cours de stream aussi. Vous voulez aller voir. Et lui, c'est depuis la Norvège. Et bon, forcément, la Norvège, ça marche mieux. Quand il fait beau. Ouais, c'est surtout ça le problème en ce moment. Ouais, j'ai vu qu'il faisait beau aujourd'hui. Même à Tromsø, il faisait beau ce matin. Ah, mais Tromsø, il fait toujours beau. Non. Alors, je regarde la webcam depuis. Oups, USB mode connecting to my storage. Ah. Un souci, Jean ? Ah, putain. Alors, viens. Check codec device. Ouais, c'est ce que je craignais. Ah là, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Le problème, c'est que je vais pas avoir assez de batterie. J'espérais pouvoir utiliser une batterie portable, enfin une power bank. Mais le problème avec la power bank, bah, c'est qu'apparemment, il détecte ça comme
comme un appareil ou je sais pas quoi, et du coup il veut s'y connecter en USB, cette espèce d'abruti. Alors, ouais, donc c'est pas la batterie qui est morte, c'est juste que... Non, c'est juste que j'ai branché une powerbank en USB, parce que je me suis rendu compte que je peux utiliser... Ah, pardon, j'ai peut-être ébloui la caméra, là. Je vais essayer avec l'autre powerbank pour voir si ça marche mieux. Je me suis rendu compte que je peux brancher en USB si je n'ai pas, si j'ai pas la poignée avec deux batteries. Ouais, mais là, ça ne charge pas. Allez, bon. 29 personnes bon. Sur le live. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Là, ça a l'air de pas poser de soucis. On va espérer que ça continue comme ça. Là, tu l'as rebranché là, quand En fait, j'ai deux powerbanks, donc j'ai essayé le deuxième. A priori, ça a l'air de bien se passer. Voilà, on voit les étoiles scintiller, donc on voit le direct. Il y a des nuages tout bizarres dans le ciel, des JP. Ouais, on a des nuages psychédéliques chez nous. Ah, j'en ai pleuré là. Alors. En bas à droite, vous voyez les Pléiades. Pour Naturias. Le problème, c'est que... là, je suis à... Ah, attends, il y a quelqu'un qui veut me parler, je crois. Yeah. Sorry. That's the train at the moment. Yeah, that's just over there. So you see, it's this camera, which is filming, and I'm streaming online. So people can probably hear you now. Yeah. it's... I like streaming Northern Lights and share it. Very special. Yeah. So I make people enjoy it as well. People who can't be here. Yeah, yeah. But of course, it's more colorful to the camera than to the naked eye. Yes, because. But it's roughly this part of the sky. So yeah, you can see the pillars over there and a bit of the red. Thank you. You're welcome. Ouais, c'est là avec le casque anti-bruit, du coup, j'entends pas quand les gens me parlent. Et ils me voient probablement parler tout seul comme un idiot. Du coup. Ils voyaient pas. Ils voyaient pas. Ils voyaient pas. Comme nous, on voit leur. Ouais, puis il faut quand même un petit. Enfin, là, moi, ça fait maintenant un petit moment que je suis ici et que du coup, mes yeux se sont bien adaptés à l'obscurité. Mais quand on vient juste de débarquer, c'est toujours un petit peu... faut le temps que les yeux s'habituent, quoi. Oui. Alors, est-ce que c'est mieux... Ah. Allez, je vais vous cadrer comme ça. Ouais. Je vais peut-être monter un petit peu les ISO. Ah, pas... Ouais, juste à 32, ça va être bien. Ouais, là, on voit bien les tenues. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon déclencheur filaire ? Non, le chat ne s'affiche pas dans le ciel. Non, non. Non, j'ai décidé d'enlever toutes les... Comme ça, vous n'avez que les aurores. Parce que je me suis dit que... Bon, le chat, c'est bien, c'est sympa. Mais... Moi, comme ça, tu regardes le ciel, quoi. C'est... Mais voilà, c'est le plus important et le plus joli, en l'occurrence, c'est le ciel. Donc, L'autre fois, tu as failli rater la corona. On l'a vu juste la fin, nous. Qu'est-ce que j'ai fait de mon deuxième déclencheur filaire ? Je suis con ou je le fais exprès ? C'est pas possible, ça. Dans la voiture. Non, je l'avais dehors il y a 5 minutes. Cherche, tranquille. Je sais pas ce que j'en ai fait. Parce que j'ai voulu... J'ai été chercher le petit clip que j'ai imprimé en 3D là, pour accrocher au trépied. Il s'avère qu'il est trop petit pour le clip. Et je sais plus ce que j'en ai fait. Oh, Mastro, il dit dans ta main. Non, je suis en train de regarder mes poches. C'est pas mes poches non plus. Ah, mais il est par terre.
Si, si, voilà. Il est par terre. Je viens de le trouver. Il est plein de boue, j'ai bien piétiné dessus, c'est formidable. Oh vache. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas forcément. C'est plutôt pas mal finalement cette configuration avec le casque sans fil. Ça me permet de papoter tout en allant prendre les photos. Mm-hmm. Pour peu que j'ai quelqu'un qui surveille le chat à ma place. Et il y a Astronico qui envoie des messages sur Facebook, qui me bloque. Voilà, merci Nico. Je crois qu'il est parti, Nico. Comment ça, il te bloque? Bah après, non, non, il envoie des messages sur Facebook et ça me fait des notifications. Après, il a son propre stream à s'occuper, hein, Nico. Ouais. C'est déjà super cool qu'il soit passé faire un coucou. Ah ouais, il a donné ton lien sur YouTube, tout ça. Ah ouais. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai plein de personnes qui débarquent. Je ferai la bise quand on se verra au RCO. Bah moi, je ferai la bise quand j'aurai acheté, quand j'aurai acheté mon billet et que je serai sûr de rentrer en voiture. Voilà. Alors, Tino qui dit « J'ai un ciel sans nuages, je vais voir dehors, faut que je me couvre et que je m'éloigne des lampadaires. » Casse-les les lampadaires. Coucou Hollande. Je sais pas si je lui dis bonjour. Ah oui, pardon. Hier coup, soir, Hollande disait. Pardon. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Hollande disait hier soir, je cherchais mon tour de cou en partant du boulot. Il était à sa place autour de mon cou. Il y a des nuages. Hollande a des nuages. Ah, moche. Moi, j'ai de la pluie. Moi, j'ai de la pluie, donc pas mieux. Ouais, moi je aussi. On va en voir dans 2 semaines. En tout cas, on te le souhaite. Ouais, putain. Là, ça fait 2 nuits qu'il n'y a rien à Tromsø. Hein. Ben là, les potes à Tromsø m'ont dit que. Ben, qu'il faisait moche, hein, en gros. Ouais, voilà. Ce soir, apparemment, il fait moche pour eux. Bon, ça a l'air de s'être bien calmé, là. Et Titan. Qu'est-ce qu'elle raconte? Titan a dit, moi j'ai du soleil. Ouais, mais attends. Attends, parce que tu auras des aurores ce soir, je pense. Même dans l'Utah? Ouais, je pense que dans l'Utah, ça va être visible dans l'Utah. Alors, ça sera du rouge au niveau de l'horizon. Hein. Faut pas s'attendre à un truc. Mais à mon avis, même dans l'Utah, ça sera visible. On veut des photos, hein, Titan, si tu as un jardin, tu as des biches. Alors, faut être au nord, hein, faut, comme toujours, quoi, faut être au nord, loin de la pollution lumineuse, de préférence. Bon, allez, ça, c'est pas mal. Enfin, c'est toujours... Il va voir... Voilà. Polo, est-ce que je peux couper l'autofocus? Est-ce que tu peux couper l'autofocus? Normalement, l'autofocus est coupé sur mon... Pédale fort. Bon, on avait déjà autorisé pédaler fort. Hein. Pédaler. Allez, hop. Je valide. Bah, j'ai validé. Je ne sais pas qui a été le plus rapide. Non, j'ai rien validé. J'ai pas eu le temps. Bah, ça doit être moi. Normalement, l'autofocus, c'est peut-être la compression vidéo qui galère parce que l'autofocus, il est désactivé. On voit les traînées bouger là, c'est impressionnant. La cam. Ben là, ça s'est pas mal calmé. Ouais, mais t'inquiète, ça va reprendre. Oh oui, ça va revenir. Enfin, de la batterie. Ah bah tant que j'ai de la batterie, je vais continuer. Hein. Ça a commencé à quelle heure? À 20h30? 20h30 à peu près, je pense. À 20h30. Ouais. C'est là où je suis rentrée, assemblée générale. J'ai mis à mon voisin, ce soir on va voir peut-être les aurores boréales. J'arrive ici, j'allume l'ordinateur. Ah, oh, encore, allez, vas-y, dégage-toi. Merci, WiseWatt. Ouais. On n'a pas besoin de viewers. Putain, c'est ouf en ce moment. Je peux pas faire un stream sans qu'il y ait au moins... Chaque fois.
Attends, je vais faire une capture d'écran pour mon Facebook. Ah bah non, c'est pas... Ouais. C'est pas... Ouais. Il y a eu mieux comme couleur quand même, hein. Ouais, non, là, c'est en train de baisser un peu. On est sur la... Ah bah, je vais mettre quand même sur Facebook, j'ai dit venir... On est sur la phase de détente. Ça va revenir, ouais. Je pense. On va aussi sur ma famille. Je crois que mon neveu est parti se coucher. Il a 12 ans, donc... Ah oui. Et je me rends bien que ma mère, elle rêve de voir des aurores boréales en direct, donc vraiment, viens voir. Oui. Ah, c'est magnifique. Guillaume, tu as le droit de te manifester dans le chat si tu es vraiment parmi nous. Ah, c'est un pote qui... Je ne sais pas s'il plaisante ou s'il est vraiment... Un message privé Ouais, sur WhatsApp. Parce que du coup, j'ai partagé le lien du stream ouais. Au groupe de potes à Bergen. Mm-hmm. Mais... t'es là. Du coup, je connais ton pseudo maintenant. Et du coup, j'ai balancé ton nom. Et ouais, va falloir que tu hurles très très fort si tu veux que je t'entende jusqu'ici, surtout en ayant le casque anti-bruit sur les oreilles. En tout cas, bien le bonsoir à toi et merci. Oui, oui, je pense que, enfin, je sais pas, tu confirmeras, Guillaume. Enfin, ouais, je vais peut-être t'appeler par ton pseudo, Guibou. Guiboubou. Tu peux confirmer si tu veux, mais logiquement, enfin, là, il y en a vraiment partout. Alors, à l'œil nu, c'est devenu. Moi, je les vois parce que j'ai l'habitude. Oui. Mais. C'est pas de souci, ok. C'est bon, pas de souci. Okay. Ouais, moi je les vois bien parce que j'ai l'habitude, mais là c'est pas à l'œil nu, c'est pas ouf ouf quoi. D'ailleurs, attends. Voyons voir. Est-ce que je peux pas cadrer mieux que ça? Allez, on va se remettre sur la corona, hein. Puisque ma foi, ça donne quoi dans les streams? Ah, c'est pas ouais, ouf, bon. Ouf. Ouais. Merde. J'ai failli faire une grosse boulette. C'est bien. Bah, j'ai failli... Ah, tiens, ça, c'est pas trop mal, ici. J'ai failli déconnecter l'appareil du trépied au lieu de déverrouiller le trépied. Bon, alors, c'est toujours bon, chez vous ? Ça s'est pas mal calmé. Mmh. Ça s'est pas mal calmé, ouais, mais il y a toujours. C'est juste ouais, bah, ce moi, que je disais. Moi, il y a aussi, mais il y a les nuages aussi maintenant et il pleut. Ah, moche. Ouais, on a la pluie là qui s'est un petit peu invitée. Bon, qui est ouais. pas très loin, elle a 10 km, donc ça va pas tarder. Je vais avoir une averse et après ça repart normalement. Ah, ils sont chiants ces nuages à toujours venir sans être invités dans les soirées. J'avoue. Ils sont pas polis. Vraiment. En tout cas, il n'y a pas grand monde qui a la chance d'avoir le ciel dégagé. A priori, il y en a qui le voient depuis la Bretagne. Ah, dis pas ça, il y a Thiedo qui est allé voir, il n'y voit rien. Il y a Nono Astro qui les voit depuis Paris. Alors, c'est que ça ah doit non. être Alors, c'est de la pollution lumineuse qu'ils voient. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Mais là, moi, ça se calme un petit peu aussi, mais on voit que c'est un peu moins intense que tout à l'heure. Mais putain, tout à l'heure, il y avait de ces colonnes. C'était impressionnant. Là, moi, j'en ai toujours partout dans le ciel. C'est juste que c'est pas, c'est vraiment très peu lumineux. D'accord. Ouais. Mais clairement, moi qui ai l'habitude de les voir, je vois très bien qu'il y en a partout, quoi.
Normandie, c'est beau, j'ai dit Revastron. JP, il dit, je vois depuis mon écran. Un peu bah, comme nous. De toute façon, là, je regarde les données. Ouais, c'est bon, je suis tranquille. Va y en avoir d'autres. Ah ouais. Il y a là, Coin Coin ouais, qui là, dit là, Bretagne impeccable. En Bretagne, c'est génial, il dit. Ton chien, c'est breton. Ouais. Hein. Et Chris, il a tenté de son jardin, là, ou pas? Je sais pas. Oh, on a un japonais sur YouTube qui dit « Je suis au Japon, je n'y vois que dalle. Mais la semaine prochaine, je verrai la comète. » Oui, bon, bah voilà. Ah, oui. Oui, mais la semaine prochaine, on verra la comète, nous aussi, normalement. Enfin, moi, peut-être un petit peu plus tard encore, mais... Ouais. En plus, tu es au Japon, techniquement, tu devrais même commencer à la voir dès demain. Bah, ça dépend après, si c'est au nord ou au sud du Japon. Ouais, ça dépend, effectivement, ouais. Et Arthur Beau Croquette qui les voit à Nantes, a priori. Ouais. Ouais, là j'ai un pote qui s'est foutu de moi dans le groupe WhatsApp. Parce qu'il dit qu'il y a un certain contraste entre ce que je vous raconte et ce que eux voient en ville. C'est vrai, pourquoi? Bah, parce que je suis dans un endroit, alors c'est pas isolé, il y a pas mal de pollution lumineuse, mais je suis quand même hors de la ville et là où regarde la caméra, le ciel est assez clean, donc j'arrive effectivement à voir des aurores sur tout le ciel. Mais à l'œil nu, enfin comme je disais, à l'œil nu, c'est là on les voit à peine. Et pour peu qu'il y ait un tout petit peu de pollution lumineuse, c'est clair qu'on voit rien du tout. Guiboubou a dit au sud-ouest, c'est un arc assez visible direction Lofstekken. Oui, mais alors moi, là, je suis beaucoup trop loin pour... Enfin, je vois où est la direction Lofstekken, mais là, pour le coup, c'est là où j'ai toute la pollution lumineuse. Ah, d'accord, ok. Dans le Jura, c'est tout nuageux. Je peux essayer de vous faire un petit tour du propriétaire pour vous montrer où je suis. Parce que comme c'est pas chez moi, je m'en fous. Voilà, je suis sur un quai. Voilà. Je suis sur un quai et là, vous voyez, je suis vraiment... Alors, il y a de la pollution lumineuse. Hein. Je suis vraiment à 180 degrés et vous voyez qu'il y a encore des aurores ici. Hein. Donc, quand je dis qu'il y en a partout, il y en a partout. Ouais, mais la Norvège, c'est surfait. Oh. Ah oui, d'ailleurs, direction Lofstekken, c'est peut-être par là, en fait. Ah ouais, là, celui-là, il y a vraiment un arc. Ouais. Il y a effectivement un arc. Et c'est vrai qu'on le voit assez bien à l'œil nu. Là. Moi, ça y est, il pleut. Ça va durer combien de temps? Toujours rien au-dessus de ta tête. Ah, si, au-dessus de ma tête, ça continue. Hein. Je suis en train de prendre des photos. Ouais. Mais c'est pas... c'est pas super fort, quoi. Facebook. Mon Facebook. Normal des aurores bleues? Non, c'est pas normal des aurores bleues. Bleu, ça peut l'être. Mais en général, quand tu vois du bleu, c'est que tu vois aussi du rouge et du vert. Si tu vois que du bleu, c'est qu'il y a un souci. Ouais, ouais. Non, mais je pense que ça, c'est David qui... Ah zut, c'est les pompiers. Bah voilà, ouais, tu vois. Ok. Voilà, c'est David... David le boursier. Bravo. Oui, il est en Bretagne, Michael. Bon, bah moi, ça y est, c'est bouché, les gens. Je vous propose, en attendant, si vous voulez aller voir ce qui se passe à Bergen, en Norvège. En attendant, allez-y. Hein. Voilà. Hop, salut, Philemon. On va avoir un peu de pluie, là, en plus. On va avoir un passage pluvieux. Bon, ça va pas durer longtemps, a priori. Ça va durer une dizaine de minutes. Bon, on verra si... Par contre, je sais pas quoi. Ouais. Et tu mets ton stream en pause, Nico, du coup ou Non, je laisse tourner. Hein. Okay. De toute façon, on attend que ça s'améliore et puis on verra bien. Non, le stream il tourne là pour l'instant. Bah, ouais, les gens mettez les deux streams côte à côte et puis profitez de tout ce qui a profité. Hein. Je veux pas partager ta fenêtre. Je leur ai envoyé le lien de ta chaîne. Là. Je leur ai montré vite fait tout à l'heure ce que tu avais comme. Il y a Philemon qui vient d'arriver. Donc, si vous voulez voir les aurores à Bergen, allez-y. Bah, tu peux partager ma fenêtre. Il n'y a pas de souci. C'est juste que je pense que c'est plus intéressant que.
Passer par la compression, la recompression et la recompression, c'est peut-être pas l'idéal, quoi. Il y a une triple compression, voilà. Je mets la fenêtre, mais le mieux, c'est que vous alliez chez lui, ce sera beaucoup mieux, voilà. Mais gardez, mettez les deux fenêtres côte à côte et puis profitez des deux streams. Et, En attendant, je vais juste surveiller moi ce qui se passe parce que comme il pleut, voilà. Nico, si tu vois quelque chose de superbe, tu viens de le dire dans le vocal là. Comment ça? Si tu vois un truc super chez toi, tu dis ah, tu viens nous réveiller. Ah comme ça, attends comme ça. Ouais. Oh, il y a de l'eau. par exemple. Et bienvenue Globum et bienvenue aux 6 autres. Apparemment, j'ai eu 7 nouveaux follow. Je pense que j'en ai loupé un bon paquet. Il y a Philemon. Philemon est bien connu. Bienvenue à tous ceux qui débarquent. C'est incroyable. 41, putain, je pense que c'est un record pour un stream normal sans raid pour moi. Bon, alors tant mieux. C'est bien. Cool. Oh, c'est super cool. Profitez, hein. C'est super cool. Il y a Seb de Vous avez le droit qui dit c'est toujours mieux que de voir Nico. T'es sérieux là? Seb est sur ton stream ou sur... Seb est sur mon stream. Bienvenue Seb. Ouais, il est sur le mien. Mais Seb, si tu veux, tu peux aller voir chez Jean là directement sur Twitch. Tu n'auras pas la compression. Jean, surtout qu'en plus, tu as Twitch. Ouais, puis depuis le temps qu'Archibald le tan pour qu'il me fasse un raid. Jean, il y a Titan qui te fait la tête. Pourquoi? Parce que tu as dit sans raid, mais elle a fait un raid. Non, mais oui. Mais je veux dire, là là. Ce que je veux dire, c'est que dans mes streams habituels, sans qu'il y ait un gros raid de 30 personnes, j'atteins rarement ce genre de chiffre. Et sans vouloir. Il y a Titan qui a débarqué. Oh, elle a débarqué. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Sans vouloir vexer Titan, elle fait rarement. T'as débarqué dans le vocal. Bah, sans vouloir te vexer, tu fais rarement des raids à 30 personnes, c'est tout. Bon, d'accord. Pas lui ici, là. Non, mais je plaisante, t'inquiète. Je ne suis pas gros, je suis un peu enrobé. Tout à fait, mon cher Woland. J'ai la couverture chauffante intégrée. Bienvenue, Yvan Tou. Et bienvenue, Yvan Tou. Venez pour le troll, je vous laisse, hein. Bisous. Oh, mais t'as le droit de rester. Il y a Sébastien, vous avez le droit, qui dit Twitch. Moi, mais je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que cette fourberie, voyons. Il y a du monde ce soir sur en live. Et bienvenue à toi, Zifos. Merci pour le follow. Alors, je pense que je vais peut-être me présenter, parce que vu que vous êtes beaucoup et que j'ai rarement autant, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ne me connaissent pas. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné encore. Hein. Allez, follow, surtout. Faut aller se follow chez les gens. Oui, donc je m'appelle effectivement Jean. Je suis français, expat en Norvège depuis longtemps, norvégien depuis moins longtemps. J'habite à Bergen et avant j'étais à Tromsø, j'avais l'habitude de faire des streams aurore et à Bergen ça arrive nettement moins souvent. Et quand ça arrive, j'en profite. Et normalement, le jeudi à cette heure-là, je fais des streams de revues de presse franco-norvégiennes. Donc, je lis et commente des articles de presse généraliste norvégienne ou de presse scientifique et technique française. Le dimanche, entre 20 et 22, en général, on fait un jeu. En ce moment, on est sur Psychonautes. Et le mardi, quand j'ai le temps, on fait du dev photo. Voilà. Et quand ça arrive, j'en profite tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si c'est moi. Il y a quelqu'un qui demande sur Eric qui te dit qu'il regarde souvent ta chaîne YouTube. Et qui ça qui dit Eric, hein. Eric. Eric Coincoin. Allez. Hello Buggyman. Et merci Buggyman pour le follow. Ouais, c'est vraiment un truc qui me manquait. Et malheureusement, à Bergen, je n'ai pas 50 options pour faire des streams aurore. Donc c'est le quai d'un ferry, et là ce soir il y a beaucoup beaucoup de monde, je dois faire chier tout le monde à parler tout le temps, mais c'est pas grave. Bonsoir Lodéa. Et bienvenue Yodéa. Est-ce que vous sévissez encore sur YouTube? Voilà. Alors déjà on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci.
C'est compliqué. C'est compliqué. Je manque de temps, de motivation et d'énergie pour faire des vidéos sur YouTube. J'ai plusieurs scripts qui sont partiellement écrits. J'en ai un qui est fini, tourné, monté. J'attends une validation pour des extraits. Ça fait 6 mois. Je commence à en avoir marre. J'ai voulu faire les choses dans les règles et ça m'apprendra à faire les choses dans les règles. Donc c'est YouTube est pas complètement mort, mais on est plutôt à l'état de zombie. J'ai une chaîne zombie. Une chaîne zombie. Et merci Jean-François pour le follow. Mais elle a le mérite d'exister, hein. Oui, oui, oui. Bah après, il y a pas mal de vidéos dessus. Il y a entre autres ma vidéo sur les aurores dont je suis. Malgré quelques petits soucis techniques et le fait qu'elle soit maintenant un petit peu vieille, donc je la ferai un petit peu différemment si je la refais aujourd'hui, mais j'en suis encore très fier. Et elle est, à mon avis, c'est la vidéo la plus complète en termes de conseils pour préparer un séjour pour voir des aurores. Il y a vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir sur les aurores pour préparer votre séjour. Et j'ai cru voir passer un follow, c'est Steph Lastro qui vient de follow, et Jean-François, ouais. Je ne sais plus. C'est un 12 follow. Moi, je souhaite un bon anniversaire à Nono Astro. En plus, c'est son anniversaire. C'est un signe. Bon anniversaire. J'avais vu l'anniversaire, mais je ne savais pas que c'était Nono Astro. D'accord. On est amis sur Facebook. Mais pas dans la vraie vie. Encore, hein. on va se voir. C'est le principe des amis Facebook, non? C'est pas ça? C'est. Non. Alors, regarde bien, écoute bien, Jean. Il y a Francis Delphite sur mon live sur YouTube qui dit voilà, Jean de la Lune, pas Jean de la Rue, mais c'est pas grave. Tu es ma première chaîne Twitch. Je disais tout le temps que c'est une chaîne de merde pour gamin attardé, heureux de réviser ma position. Eh bien, figure-toi qu'il y a de plus en plus de YouTubeurs scientifiques et streamers scientifiques sur Twitch. T'en as de plus en plus. Après, tu auras forcément des gamins attardés ou des adultes attardés. Comme ça, oui, voilà. Mais en vrai, soyons honnêtes, hein, je suis clairement dans la catégorie des adultes attardés. Voilà. Moi aussi, de temps en temps, quand on fait les cons sur Among Us ou des trucs comme ça, tu vois, c'est rigolo. Mais en vrai, ouais, non. On est nombreux à s'être installés sur Twitch quand même, en vrai. Hein. Bah, pour les lives, il n'y a pas Twitch. Twitch, c'est vraiment ce que je trouve de mieux, quoi. Ah, et c'est facile à utiliser. On s'imagine pas, en vrai. Ouais, c'est facile à utiliser. C'est facile à tout configurer. Il y a possibilité de personnalisation qui est super. Moi, j'avoue, quand j'ai découvert, enfin, je suis passé à Twitch, ça a été le jour et la nuit. Puis le fait qu'il y ait peu de latence aussi. Entre le chat et. Mine de rien, ça c'est. C'est bien de relever le niveau, il dit. Bravo les mecs. Non mais. Ouais. Après, on n'est pas non plus sur Kick. Hein. Là, on n'ira pas sur Kick, nous. Bah, j'ai créé un compte sur Kick à l'époque où Twitch déconnait plein pot. Et au final, je ne l'ai jamais utilisé. Et je crois que je l'utiliserai jamais. Et moi, par contre, s'il y a un truc qui est rigolo, là, je suis en train de voir, on a plein de nuages, il commence à pleuvoir, et pourtant, on a des aurores qui restent visibles. Comme quoi, ça doit être violent, hein, derrière les nuages. Hein. Mais il n'est pas sur YouTube, Nicolas. Il est sur YouTube, Jean, mais là, il est en live sur Twitch, Nicolas. Donc, je te mets le lien, là. En fait, il n'est pas en live sur YouTube, il est en live sur Twitch. Mais là, je confirme que, ouais, vu les données, c'est violent, ouais. Ouais. Là, on est sur du violent, là. Je crois pas qu'on soit aussi violent que le 10 mai. Mais putain, 200 gigawatts hémisphériques, ouais, on est sur du violent quand même. On risque d'avoir peut-être des problèmes de communication. Vous savez ce que je vais faire? Je vais allumer le GPS. On va voir, à mon avis, il doit partir en vrille. À chaque fois, ça part en vrille. Ouais, c'est pas. T'es peut-être un petit peu trop loin de.
C'est surtout à la zone coucher de soleil, enfin coucher de l'aube, le pire. Non, non, alors, je ne montre pas l'écran parce qu'il y a mon adresse, mais tu as le truc qui fait comme ça sur Google, sur Map. En fait, tu as le curseur qui monte et qui descend comme ça, il ne sait pas trop où il est. Non, non, c'est déjà la dernière fois en pleine journée, ça me l'a fait et là, je me suis dit, je vais regarder dans le doute et effectivement, ça bug un peu, tu vois. J'avais un compte sur Dailymotion, Bigliman. Ben écoute, j'ai toujours un compte sur Dailymotion. Hein. Attends. Il paraît que ça revient en force. Hein. Tu veux quoi, Seb? La chaîne Twitch? C'est venu, la chaîne YouTube. Bon anniversaire. De Jean, je peux te donner la chaîne YouTube, ça, c'est pas un problème. Mais là, il est en live sur Twitch. Donc, attends, c'est où déjà? Je vais te chercher le lien de sa chaîne. Je viens de tenter une sortie, je suis en déplacement professionnel en plein Paris, je n'ai rien vu à l'œil. Alors, je suis désolé, Ola Paris, mais oui, ça ne me surprend pas. En plus, là, comme je disais, c'est vraiment... Là, on est à la limite où ça ressemble à de la brume à l'œil nu. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui est parti. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai fait chier à parler, ce qui est pas impossible. Ah merde, j'ai plus de batterie. Saloperie. Non. Ça n'a pas marché, mon truc. Ah. Ouais, non, ça ne marche pas, mon petit truc. Ouais, non, c'est normal, ça. Alors, j'ai plus de batterie, mais normalement, j'ai une deuxième batterie. Ouf, ouais. Bon, je vais attendre que ça coupe quand même avant de changer de batterie, histoire de vraiment utiliser jusqu'au bout. Ouais, c'est parce que j'ai relancé l'enregistrement. Ah, d'accord, ok. C'est quoi d'ailleurs... ça, la fenêtre là, qui s'affiche là en bas? Si je mets le menu, est-ce que ça affiche le menu? Ah ouais, non, je peux pas mettre le menu. Ça, c'est... Sony, ils sont bons pour faire des capteurs, mais alors quand il s'agit de faire un boîtier, franchement... Ouais. Bienvenue, Seb. J'avoue. Vous avez le droit. Ah, il y a Seb, ça y est, il a trouvé. Ah, bah, dis donc. Ah, bah, bienvenue, Seb. Je croyais qu'il venait déjà. Non. Depuis le temps que Archibald te tannait pour que tu viennes chez moi. Et on a aussi le petit astronome qui vient faire un coucou chez moi. Ouh. La coucou. Ah. Comment que tu vas bien? Ça dit quoi là? Bah, là, pour l'instant, chez moi, ça dit nuage et chez Jean, ça dit plus de batterie. Alors, j'ai la deuxième batterie hein, qui est prête à switcher dès que besoin. Voilà. Mais là, je vais vraiment bouffer la batterie jusqu'au bout, jusqu'aux derniers électrons. Histoire de durer le plus longtemps possible. C'est un petit qui te dit bonjour. Ah non, il dit bonjour à JP. Oh. On a le droit de regarder maintenant, Yannick. On a le droit maintenant. Bah oui, oui, oui. Plus de pluie, mais des nuages roses. Ouais, mais après, là, je suis en train de regarder. Si on voit encore, là, c'est encore un peu rosé, rouge, là, mais c'est juste un passage nuageux. Il y en a un gros, là, qui va durer un petit quart d'heure, 20 minutes, je pense. Donc, on va attendre qu'il se dissipe. En attendant, bah, il y a celui de chez Jean qui marche plutôt pas mal. Là, d'ailleurs, vous voyez mes appareils photo. Alors là, attends, j'ai un décalage, moi. Ah oui, alors les appareils photo, ils sont là. Ouais, toujours sur la Corona. La Corona, ouais, la Corona, non, elle est vraiment quasiment pas visible. Ouais. Non, mais là, on n'est pas trop mal, en fait. Hein. Là, on est bien, là. On ne bouge plus. Là, je aussi. Attention à ne pas flinguer la batterie. Ah, si, ça, c'est prévu. Il va les détruire en live, tu vois. Non, là, je vais utiliser les batteries jusqu'au bout, hein. Bah, le PC, normalement, c'est pas un souci parce que le PC, il est branché sur une batterie de voiture. Bon, ça va, il y a ce qu'il faut. Ah, c'est le PC que t'as branché sur la batterie? Ouais. La voiture? Oui, parce que le PC, sinon, il tient... Bah, tu te souviens, le stream qui avait duré 5 minutes? Oui. Ah, il y a Arnaud aussi qui a débarqué sur mon live, je l'avais pas vu. Et qui fait, c'est complètement bouché ici, je suis plus vert qu'un atome d'oxygène ionisé. Ah ben bravo. Tout à l'heure, je lui envoie un message, il me fait, la dernière fois, il me fait, ouais, tu m'appelles, hein, si t'envoies, même s'il est 3h du matin, tu m'appelles. Je lui envoie un message, le premier, je vois qu'il ne me voit pas, je me dis, je vais lui envoyer directement un message comme ça.
Genre, elle fait ah ouais, effectivement, je les vois à l'œil nu aussi. Donc, tu vois, comme quoi, même chez nous, ça se voyait bien. Non, mais c'est surtout pour peu que les jeux soient habitués à l'obscurité, ça va pas mal. Hein. Ah, ouais, c'est sûr. J'ai l'impression qu'il y a une bande qui est en train de se renforcer là au niveau du zénith. Est-ce que ça donne quoi à l'appareil photo ? Vas-y, monte. Oula. Ouais, non, c'est pas ouf. Oui, ouf. Désolé pour les herbotrons inutiles, c'est pas ouf. Eh, merci. J'ai pas mangé, ça va. Là, moi, ce que vous voyez à l'écran, là, vous voyez ce gros nuage, là ? C'est un gros nuage de pluie qui passe juste à côté. C'est un émeute vomi. Ouais, j'aurais peut-être c'est dû vous prévenir que j'allais bouger dans tous les sens. Parce que là, il y a une belle bande à l'œil nu, on la voit presque mieux que le reste, mais au final, à la caméra, on la voit pas tant que ça. On a vu un petit peu, ouais, mais bon, le rouge se voit mieux quand même. Ouais. On a Francis Delphine qui pose la question, a-t-on une idée de savoir s'il y a un pic d'activité prévu et si oui, à quelle heure ? Ça, c'est impossible à savoir. C'est pire que la météo sur Terre, si tu veux. Je suis capable de dire que si, quand c'est calme, je suis capable. À Tromsø, j'étais capable de prédire à peu près à l'heure et demie quand ça allait péter. À Bergen, j'y arrive pas encore. Jean. Merci. J'arrive. Alors attendez, je vous coupe les trucs qui clignotent. C'est tout moi, c'est tout vert. C'est une aurore verte là pour le. J'ai dit je coupe les trucs qui clignotent. Voilà. ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle normalement. Qu'est-ce que j'ai on fait de la batterie? On voit le fond vert. Ah, elle est là. C'est ça, hein, t'as menti. On voit le fond vert. On voit le fond vert, ouais, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. La belle verte. Mais c'est que t'es un mytho en fait. Mais c'est avec toi. J'ai été exposé. Oh la vache. Fichtre. Putain, c'est sur des petites bêtises comme ça qu'on se fait avoir bêtement, c'est ouf quand même. Voilà. Allez, c'est reparti. Kiki. Pieds, la batterie. Francis qui dit « Tant pis, je souffre d'insomnie, pour une fois ça me sera utile ». Alors rassure-toi, je vais te le dire d'office quand même, je ne vais pas streamer jusqu'à 4h du matin non plus. Hein. Vous parlez, c'est bon, c'est revenu. Je sais. Ah bon, j'étais au cas où si tu veux. Mais merci de me le préciser. Je crois d'ailleurs qu'à 4 heures, moi, il va vraiment pleuvoir très fort. Donc on va éviter aussi, quoi. Dans la boue à tes pieds, la batterie. Non, c'est juste qu'elle n'était pas dans la bonne poche. Non, il y a partie dégagée qui arrive d'ici 10 minutes. Un mec qui a mis ce warning sur la rive d'en face. Je pense que c'est plutôt un phare, non ? C'est le phare à rond. Qui clignote ? Je vois rien qui clignote là. Ah si. Non, c'est ça. Je crois que c'est juste la. C'est la route. Non, c'est la ferme à poissons qui clignote. Il y a deux fermes à poissons là à cet endroit-là. Donc il y en a une. Celle-là, c'est celle qui est un peu éloignée. Et il y en a une à droite qui est un peu plus proche. Les fermes à poissons, ils font du lait de poisson en vrai. Bah ouais. J'en ai vu loin, des fermes de poissons. Alors, il y a le petit astronome, il dit « Tromsø, j'adorerais vivre à Tromsø tellement ça a l'air bien. Le froid, la neige, le froid, la nuit, la neige. Et en plus, il y a un club de foot et de hockey. » Alors, de hockey, je ne savais pas, mais je ne suis pas surpris. De foot, ouais, ils sont complètement… ils sont à fond sur leur club de foot à Tromsø. Mais tu peux lui dire au petit astronome que je confirme, vivre à Tromsø, c'est chouette. Mais il t'entend, c'est bon. Ah, il est sur mon stream ? Bah en fait, il est sur mon stream, mais comme je suis sur ton Discord et que les gens entendent ce qui se passe dans Discord, donc il t'entend. Hein. Ah, j'avais pas compris que ça marchait comme ça. Du coup, salut le petit astronome. Et je te confirme donc, effectivement, Tromsø est très chouette. Et ça me parce manque. Que tu croyais qu'on t'entendait pas quand tu parlais tout à l'heure. Bah ouais. Eh oh, la technologie, hein. Oui, mais moi, je suis vieux, moi. Attends, la technologie, c'est compliqué à mon grand âge. À ton grand âge. Seb, je t'interdis de rigoler dans mon chat. Joli beau, Jean. Il y a Yvan là-bas. Yvan, hein, c'est ça.
Le bar. Ouais, je répète, oui. Hein, mais je suis vraiment désolé pour les gens dans le chat. Là, je suis à côté du stream à prendre des photos et je regarde assez peu le chat. Voilà. C'est rare que voilà. Je fasse ça, non, mais là... Il te fait coucou. Voilà. Parfois, des mauvais effets sur les synapses du titane. Est-ce qu'il a le droit de rire, Yvan? C'est ça, Yvan, hein? Pardon. Oui, oui. Je sais que je suis très très loin d'être le doyen des vidéastes, mais bon, je suis quand même quadra, donc je suis plus dans les petits jeunes, quoi. Seb, il fait ah là là, c'est boomer. Le nombre de fois où j'ai checké sur Google Earth, Tromsø, franchement, top 3 des endroits où je veux vivre. Bah écoute. Ouais, je te dirais ça. Hein. Moi, perso, le froid, déjà, quand il fait 17 degrés, j'ai froid. Ah là, alors, il fait moins 1 en ce moment. En pleine journée, il fait moins 1. Ouais, bah alors là, moi, je me pends direct. Hein. Ouais. Hey, c'est moi ou c'est en train de péter fort, là, chez toi, là, de nouveau là. Il y a une belle grosse colonne, là, qui est en train d'apparaître à droite, là. C'est en train de revenir. Ouais. Je sais pas s'il faut que je recadre le stream, mais c'est en train de revenir doucement, là. C'est pour ça que je prends... Oh, il y a du jaune. Ça, c'est rare. Il y a du jaune? Ouais, écoutez, au milieu du rouge, là. Bah, en tout cas, sur mes photos, il y a du jaune. Sur la droite, ouais, c'est entre deux colonnes de rouge, il y avait une colonne de jaune. Ouais, je confirme. Non, c'est entre du vert et du rouge, il y a une colonne de jaune. Mm-hmm. Bonne nuit, petit astronome. Eh ben, bonne nuit, le petit astronome. Bonne nuit. Ah ouais, effectivement, on le voit sur le stream là, que tu as du jaune hein. Ici là. Ouais, il y a un petit peu de jaune sur le stream. Ouais, c'est moins flagrant que sur la photo. Oh putain, et l'arc là que t'as, la colonne. Ouais, là c'est en train de retaper fort à mon avis. Ouais, c'est en train de revenir. Ah ouais. Quand tu vas avoir quand tu vas faire les développements photos souvent le mardi, là il va avoir du boulot là. Ouais, attends, chez moi, c'est en train encore. Pas de fromage, s'il vous plaît, sur le chat. L'absence de son hectare est rédhibitoire. Sans compter. Seb qui dit, moi, au-dessus de 24 ou 25 degrés, je fonds, mais t'es un malade, 24, 25 degrés, c'est le matin qu'il faut qu'il fasse cette température-là. Quoi. Non, 24, 25, c'est l'absolu maximum. Au-delà, c'est insupportable. Tu rigoles. Je suis tout à fait d'accord avec Seb. Non, mais vous êtes trop naze. Moi, je suis bien dans le froid. La température idéale, c'est moins 20 avec un grand soleil et pas un pet de vent. 20? Mais t'es un malade, toi, sérieux? Oh la vache! T'es un grand malade. Oh, 11 degrés, ça me va, moi. 8 degrés, moins... c'est bien. Moins 20, je peux pas. Bon, quoique moins 20, si c'est sec, ça va. Bah oui, ça reste. Ah ouais, c'est ça, c'est moins 20, il fait sec, donc. Mais pas à Tromsø. Non, à Tromsø, c'est très rare qu'on atteigne les moins 20. Et je pense qu'avec le changement climatique, c'est fini. Sec, hein. Ouais, je suis en train de me préparer mentalement. C'est plutôt sec, ouais. C'est pas aussi sec qu'au Svalbard, ouais. Mais c'est plutôt sec. Ouais, alors là, chez moi, pour le coup, les nuages sont en train de partir. C'est un peu plus bas, j'ai l'impression, maintenant. C'est moins haut que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était au-dessus de la Grande Ourse, mais là, clairement, ouais, ça a dû descendre un peu. Mais bon, vu ce que je vois à ton écran, je pense qu'à un moment, chez moi, ça a repété aussi. Ça va être visible. De toute façon, regarde le flux de matière. Là, c'est juste ce qui s'est passé en résumé. C'est qu'on a la magnétosphère côté nuit qui s'est chargée de particules, qui a explosé tout à l'heure, ce qui a donné une substorm qu'on a vue. Ensuite, ça s'est relaxé parce que la magnétosphère était déchargée et là, c'est en train de se recharger et ça va répéter. D'ici une demi-heure, je pense, maximum, on va avoir une nouvelle substorm. Alors, si les gens pouvaient éteindre leur phare quand ils débarquent, ça serait pas mal. Il y a Arnaud qui dit « Bon, bah Seb, je voulais t'emmener en Guadeloupe. Finalement, non. Bah. » Disons que s'il n'aime pas trop la chaleur. Ah non, il fait trop chaud en Guadeloupe. C'est humide surtout. C'est extrêmement humide. Et quand tu es en plein été là-haut, c'est pas agréable du tout. La Guyane, voilà, j'ai adoré, mais alors, qu'est-ce que j'ai souffert? La Guyane, c'est encore plus humide que la Guadeloupe. Bon, la Guyane, c'est... Ouais, non, c'est pas ouf.
Allez, je remets là-dessus. Non, franchement, la Guyane, non, ouais, t'as l'impression d'être dans un hammam à longueur de journée, quoi. J'aime bien aller à hammam, hein, mais bon. Bah, moi aussi. Après, là, je mais une demi-heure. La Guyane, c'est pire, ouais. Je vais tenter le froid polaire. Moins 20, c'est un peu chaud encore. L'alcool est encore liquide. L'alcool est encore liquide, ouais. Il fait une campagne océanographique qui est passée par la Guyane. Ah, ça doit être sympa, ça aussi. Mais bon, là, pour le coup, les campagnes océano, je préfère quand c'est au nord. Ah, coucou, Olivier. Ça n'a pas trompe-se. Il fait quel temps, là-bas? J'y suis dans une semaine. Mais c'est peut-être, ça n'arrive pas jusqu'à trompe-se. Alors là, c'est quand même le pompon. C'est surtout qu'il fait pas beau à trompe-se, là, pour moi. C'est fou quand même quand ça bouge le verre. Hein. C'est impressionnant. Mais là encore, ça bouge pas des caisses. Hein. Il pleut. Bah, moi tu vois, c'est vachement plus bas. Hein. Tu fais du beau temps. Non, encore, mais... un peu light. Il pleut 6 degrés, temps de merde. Comme d'hab. Comme d'hab. Alors, Olivier, je sais pas si tu es... J'ai cru comprendre que tu étais à Tromsø. Mais viens à Bergen, et là, on reparlera du temps de merde. Ah, mais les gars, vous me vendez du rêve, là. Franchement. Oh, en putain, ça devient... là, ça y est, c'est en train de... Les colonnes ouais, sont beau, en train de monter bien comme il faut. Ah. Ouais, ah. Je pense que là, ça s'apprête à péter. Ouais. En revanche, la première fois que je suis allé à Bergen, c'était pour aller visiter les îles Lofoten, dit... Ah, ben moi, je vais les voir. Dit Seb. Francis qui dit, j'enregistre l'écran avec de la vidéo de Jean pour souvenir en ce moment. Ben non, mais en fait, tu n'as pas besoin parce que tu as le mode, tu as le replay qui sera disponible. Et Jean aime bien faire des... Comment dire, des... photos. Ouais, des photos, tu auras de belles photos si tu veux, t'as juste à aller, et c'est sur ton Discord du coup. Alors là, par contre, ton Discord, il faut que j'arrive à le partager, est-ce que je vais y arriver? Les photos, il y a sur mon Discord, sur mon Instagram ou sur mon Blue Sky. Ok, alors attends, je vais créer un lien d'invitation, copier, masquer. Ça va péter, vous allez fuir. Copier. La bise à Aurore. Voilà, comme ça, vous verrez... Vous verrez les résultats que Jean a eu avec ses images pour ceux que ça intéresse. Et l'Insta, par contre, j'y arriverai pas avec mon ordi, ça bug à chaque fois que je me connecte à Insta. Donc, c'est Jean underscore underscore de la Lune. Simple. Ouais. Et moi, je confirme que chez moi, ça s'est vachement calmé. On les voit encore, mais voilà. Ouais, attends, c'est en train de revenir là. C'est à nouveau visible à l'œil nu, bien comme il faut. Ça y est. Hop là, et Jean, c'est inondé chez toi, Nico? Non, j'ai pas eu d'inondation, moi. Non, et je peux te garantir que la pompe de relevage que j'ai foutue dans le machin, là, elle fait son taf. Hein. T'as une pompe de relevage dans le machin? Je suis pas certain de vouloir savoir de quoi il retourne. Surtout avec les inondations et tout, là. En fait, j'avais une pompe de relevage dans un puits qui remettait tout à l'égout, sauf qu'elle était trop petite. Elle était beaucoup trop petite. Alors, du coup, ce que j'ai fait, je l'ai virée et j'en ai mis une avec un débit beaucoup plus important, mais vraiment. Et là, on a eu l'équivalent, en 2 jours, on a eu l'équivalent de plus d'un mois et demi de pluie. Là. C'était assez ouf. Bah, de toute façon, ça a fait la une. Alors, pas trop en Alsace, on n'a pas trop souffert sur 24 heures. Par contre, ouais, sur 2 jours, on a pris cher, quoi. On a vraiment pris beaucoup de flotte. Et du coup, l'eau n'est jamais rentrée. Alors que s'il y avait eu l'ancienne pompe, à mon avis, j'aurais été mal, quoi. Donc voilà, c'était un peu pour l'histoire. Cet après-midi, je me suis arraché mes derniers cheveux pour lui expliquer comment activer le mode Malib sur un phone fixe. Alors ça, faut pas demander. Ah ok, ouais, alors, on en est là. Désolé. Alors. J'ai l'impression qu'il y a de la brume qui est en train d'arriver. Ça, c'est moins cool. On voit bien les colonnes sur le live. Hein.
Ouais, un peu de rosé, un peu de violet. Okay. Ah, c'est ouais, pas trop mal là sur le live. Jean de la Brume. Juste comme je viens de voir, il faut qu'il y en ait un qui dise une bêtise. Hein. Ah bah, bravo. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Mmh. C'est bien trouvé. On ne voit rien à Metz. Mais si tu vois, mais c'est pas possible. Si moi je les vois, tu les as obligatoirement. Ou alors c'est parce qu'il fait moche. Mets tes lunettes. Hein. Non, mais ouvre tes yeux, Annabelle. Sérieusement, fais quelque chose. Rachète-toi une rétine, quoi. Bon, Metz, je vous rassure, je la connais, Annabelle. Hein, sinon, je ne me permettrais pas de parler comme ça. Ouais, c'est pas plus mal que tu précises parce que on sait jamais. Pour ce genre de blague, vaut mieux préciser. On les voit encore un tout petit peu chez moi. Ouais, je suis méchant, mais oh, c'est pour rigoler, elle sait. Elle le sait. T'as vu Ah, ça c'est bien. Ah. Ça c'est bien. Ma mère a voulu me payer un coup à boire hier. J'ai dit non, je prépare mon foie pour les RCE. Ok. En message Discord, ok. Il y a Titané Dantan qui m'a envoyé ton lien Insta sur mon Discord privé. Je l'ai mis sur YouTube, moi, le lien Insta. Ok. Je le copie. Cliquette. Colle. Ici. Ce soir, voilà. Le thème du live, c'est d'insulter les spectateurs. C'est Nico. T'es con, il y a trop de nuages. Oh, et comment ça, mon bot ne t'a pas direct striké parce que t'as dit que j'étais con, hein? Pourquoi? Il y en a qui prennent des photos avec le flash. T'es sérieux? Ah ouais, ouais. Je viens d'en voir deux. Alors, c'est sûr que pour faire des photos nocturnes sur des aurores boréales qui sont très ténues, c'est super efficace. Ah bah oui, surtout s'il y a de l'humidité dans l'air. En vrai, il faudrait vraiment être très con et avoir le cuit d'une huître en train de sécher au soleil, c'est pas possible. C'est toi les qui flashs, l'as dit. C'est des Américains. Non, mais c'est vrai quoi. Et attends, tu sais que la dernière fois que j'ai fait une animation Nuit des Étoiles, et c'est en grande partie pour ça que ça a été la dernière fois que j'ai fait une animation Nuit des Étoiles, je faisais une pause longue, ça faisait une demi-heure ou une heure que je faisais une pause longue pour faire un filet d'étoiles. Il y a une nana qui vient à côté de moi, donc c'était après l'animation, hein. Mais il y a une nana qui vient à côté de moi, ah ouais, c'est vrai que le ciel il est vachement beau, elle prend une photo, paf, un coup de flash. Ah non, mais ça, je peux pas. Moi, les gens, je leur dis tout de suite, c'est simple, si vous faites des photos et que je vois le flash, votre appareil, je le prends, je le brûle. En général, les jeunes, ils ont tous leur téléphone dans la poche. Ah, c'est... Ouais. Si je refais des animes astro, j'y penserai. Mais là, j'étais blasé, quoi. Ça faisait, je sais plus si c'était une demi-heure ou une heure que je faisais la pause. Et le truc ruiné. J'étais blasé. Ouais, bah c'est normal pour un appareil tout automatique. Coucou, ah ouais, Archie. Ouais, mais bonsoir. Même chose. Ah, bonsoir, Archie. Ça y est, t'es rentré du boulot. Non, mais des fois, ils se rendent pas compte, des fois, les gens, qu'en fait, pour faire de l'astro, il n'y a pas besoin de leur smartphone, surtout quand tu fais une nuit des étoiles, quoi. Tu montres aux gens, voilà, quoi. Ah, des fois, ouais, je savais que tu rentrais tard. Ouais, je vous jure. C'est beau chez toi là-haut quand même, c'est bien vert. Hein. Moi, il y a un peu de rouge encore au bout, mais ça s'est un peu calmé, je crois, chez moi. Est-ce qu'il y a moyen de cadrer sur un truc un peu plus sympa? Ah, parce que là, c'est un peu vert, mais vert pastel, quoi. Ah attends. Oui, là. Oh oui. Attends. Ouais, enfin, si tu peux éviter de continuer de faire des bruits un peu comme ça. Ah ouais, alors là, ça claque. Ouais. Le truc, c'est que je ne sais pas à quel point, parce qu'évidemment, j'ai encore oublié de prendre les trucs anti-buée. Et je sais pas. Ah putain, les flashs, mais ça m'énerve. Je ne sais pas à quel point ma lentille n'est pas en train de. S'il y a clairement, il y a clairement de l'humidité, je ne sais pas à quel point ma lentille n'est pas en train de se. De se remplir de brume. Et Toff au-dessus de toi, ça marche ou pas? Il n'y a pas
Ah, on peut... pas la corona, non. On peut regarder, hein. Ça coûte rien de regarder. Ah, mais toi, regarde-toi. Alors, Tof, tout à l'heure, c'était visible à l'œil nu. Ouais, c'est pas vrai. Chez nous, c'était visible. On voyait le rouge, on voyait que c'était le ciel était rosé. Il fallait laisser ton œil un petit peu s'adapter au noir et tu voyais qu'il y avait une coloration. Si à l'œil nu. Donc, ouais, c'était possible de voir des trucs à l'œil nu. En Auvergne, 20 km du puits d'Envelé, visible à l'œil nu. Ouais, tu vois. Bon, après, on a dit, a priori, ça va durer une bonne partie de la nuit. Bienvenue chez Modirazio. Un peu plus fort. Where's the place? The place is near Bergen, in Norway. South Norway. And yeah, I'm sorry, the stream is mostly French. Si même sans adaptation. Tac. Welcome. And I'm also sorry, I'm not looking at the at the chat that much. Looks lovely. Yeah, it is lovely. No. Not every day. Yeah, yeah. Not every day like that. I wish. Alors, c'est vrai que pour ça, Bergen, bon, c'est pas l'endroit idéal. Mmh. Ouais. Ah ouais, j'ai carrément de l'eau sur ma table. Ok, il y a vraiment de l'humidité dans l'air. Mais non, si peu. Ouh là, il y a eu un... Ouais, il y a quelqu'un qui prend des photos au flash. Ah oui, ben on a vu là. C'est toujours la même personne. Il y en a deux et c'est, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. C'est ça, Francis. Tu veux pas lui dire en norvégien « espèce d'huître en train de sécher au soleil » de ma part, non? Même moi qui reprends le norvégien, je connais même pas, là. Ouais, si, je sais à peu près comment dire ça en norvégien, mais je vais peut-être m'abstenir. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, effectivement. Jean, il est gentil par rapport à Nico. Ouais, moi je suis un parce méchant. Que, moi je l'aurais fait. Hein. Si on doit faire la compétition à qui a le plus de matos à balancer à la flotte, je suis clairement perdant. Ah ouais, je crois pas, ouais, effectivement. Donc je vais éviter. Je vais juste me chercher un truc à boire, je reviens. Tu vas aller chercher une Corona? Non, j'aime pas la Corona déjà. De 1, de 2, je bois pas de bière, moi. C'est pas bon, la bière. L'alcool, c'est mauvais pour la santé. Bah, faut bien qu'il... À qui tu veux faire croire ça? À moi ou personne. Ah bon? Il y a Arnaud qui dit dans mon chat, bah, faut lui expliquer. Coucou Arnaud. Oui, il y a Astronogeek qui vous fait un coucou là. Oui, d'ailleurs, coucou Arnaud aussi. Vert, c'est O+, c'est ça. Oui, c'est ça, Francis. Mais on va te l'expliquer bientôt avec le monsieur qui vient de dire, bah faut lui expliquer. C'est genre, voilà quoi. Titan te demande si t'as pas trop peur pour ton matos avec l'humidité. Bon, j'arrive. Quel matos ? Non, j'ai pas trop peur pour mon matos avec l'humidité, mais. Parce que je l'ai mis à l'épreuve rude en Guyane. Mais j'ai plus peur pour la qualité du stream et des photos. Parce que là, on est... Tu vois pourquoi tu parles norvégien? Tu vois pourquoi elle dit « Oster Samtorka ». Ouais, c'est ça. Et sous là, pour le soleil. Oui, 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 ça c'est beau, ça. C'est trop exposé, par contre, il faut que je réduise. Ah, il y a un avion là, non? Ouais. Je suis comme si c'était un ovni. C'est pas mon avion. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout.
Je viens de me rappeler que j'avais mon fisheye. Ah ouais, j'aime pas les fisheye, moi, franchement. Ouais, là en l'occurrence, j'utilise pas au maximum de sa. Enfin, je l'ai pas à 180 degrés, mais ça me permet de couvrir une grosse partie du ciel. Oui. Un avion de touriste qui est à Willow. Alors, est-ce que c'est mieux par là ? Alors, moi j'ai un grand avion en Bergen. Oh, yep. Je suis plus que fiche que aïe. Alors, qu'est-ce qu'il se dit ? Arnaud qui fait « Quand un mec fait de la merde, tu vas le voir, tu expliques pourquoi ce qu'il fait marche pas et comment faire mieux. Moi, je jette pas mon matos au con, ça revient trop cher. Surtout le tien, hein, putain. » Alors, je risque de déblouir la caméra parce que je vais regarder l'état de la lentille. Donc, si c'est tout rouge, c'est normal. Ouais, vas-y. Alors, Yu-Gi-Oh! Ouais, il y a bien du brouillard sur ma lentille. Et je crois que j'ai pas de quoi essuyer. Est-ce que je l'ai perdu en Guyane, ma petite chiffonnette. Enfin, je pense que c'est en Guyane que je l'ai perdu, ma petite chiffonnette. Ah, à moins que. Tu as une chiffonnette pour essayer ou pas ? T'en as pas avec tes lunettes ? Oui, mais j'ai pas le. Alors, attendez. Pas sur toi. Aïe. Un soleil. Je réponds juste, il y a Yugilo qui demande c'est où. Alors là, la photo, enfin, ce que tu vois là, où il y a eu le flair rouge, là en fait, c'est en Norvège, c'est à Bergen, d'accord. Et donc, c'est aussi visible en France. Bon, là, un peu moins que tout à l'heure, on voit encore que c'est un petit peu rouge-rosé là, peut-être même un peu jaune là au fond. Ça, c'est pas vraiment de la pollution. Hein, mais en vrai, si tu veux, c'est un peu visible partout en France ce soir et ça va vraiment péter fort. Bon, j'avais mon petit pinceau, donc ça va, j'ai pu rattraper un peu. Yo, Plaoud, coucou, en Moselle, c'est très nuageux, surtout à l'horizon. Ah, c'est dommage. Ah, quel boulet. T'as fait tomber l'objectif dans l'eau, c'est ça ? Non. J'avais oublié que j'avais le sachet de thé, que par conséquent j'avais pas fermé le thermos, et en me versant une tasse de thé. Quoi ? T'as tout renversé. Ah bah bravo, t'es vraiment. C'est exactement ça. Putain, sans déconner quoi. N'empêche, c'est impressionnant. Je suis parti un peu à l'arrache. Hein. Ouais. Salut Anna. Bonsoir à toi. Là, on voit surtout Jean qui nettoie son objectif. Je serais curieux de voir ce que ça donne, d'ailleurs. Enfin, je regarde le replay. Bon, on voit une espèce de gros halo rouge. Voilà, un gros soleil qui bouille bien. Il y a une comète qui nous arrive sur la gueule. Alors, si... Assurez les gars de nous partager ça. Il y a Yu-Gi-Oh! Qui nous remercie. Ah bah avec plaisir. C'est toujours un plaisir de partager. Faut savoir que Jean, c'est un spécialiste des aurores boréales. Hein. Il est en Norvège, comme j'expliquais. C'est pour ça que je vous mets le lien de sa chaîne Twitch. Et c'est très rare qu'il puisse refaire... Parce qu'avant, il faisait beaucoup de live aurores boréales. Sauf que bah, là, pour le coup, il en faisait de moins en moins. Parce que là où il est parti vivre, à Bergen, le ciel est beaucoup moins bon que là où il vivait avant, c'est-à-dire à Tromsø. Ah, plus ouais. Au nord, vraiment au nord. Et c'est ça, plus c'est humide. Peu de dire. Donc, disons que là, il s'en donne à cœur joie parce qu'il fait tellement moche habituellement. Voilà. Ici, c'est... Qu'est-ce que... Mais t'es une enflure, en fait, Arnaud. Ici, c'est aussi bouché que l'humour de Nico. Ben, va bien le faire. Je dirais bien un truc, mais c'est pas très Twitch-friendly. Voilà. À force de lever les yeux au ciel, j'ai un plein de torticolis. Ah, bah, désolé. Oh la vache, avec le fisheye, je pense que ça va être la photo de demain, celle que je suis en train de prendre là avec le fisheye. Ok. Plage, Julien.
Ah, c'est, quand je dis qu'il y a tout le ciel qui est couvert d'aurore, c'est vraiment, il y a tout le ciel qui est couvert d'aurore. C'est un truc de fou. Ah, t'as de la chance, au moins une fois par an, c'est cool. Ouais. Il y a Aude qui dit, j'ai quelques photos malgré le tout, je suis contente. Bah, c'est cool. Et vous regardez quelles données pour avoir une idée de ce qui vient? Je regarde Space Weather Live, je vois que la densité de protons a l'air de remonter. Alors, c'est pas forcément la densité qui va être importante. C'est le BZ. Ouais. C'est toujours en le fait, BZ c'est... qu'il faut regarder. C'est ça, là, regarde, tu vois. Parce que si tu as une densité de dingue et que tu as un BZ qui est positif, ça ne va pas marcher. Il faut que ton BZ soit négatif. Donc là, tu vois, là, le BZ, il va être jusqu'à... Bah, pendant au moins 60 minutes, il va encore être négatif. Donc, ça veut dire que là, voilà. Par contre, il y a un autre truc qui peut être intéressant à observer, c'est la vitesse des vents. Parce que plus les vents sont puissants et plus ça va descendre dans les basses couches. Bon, ça, c'est bien pour les gens comme Jean, justement. Ça veut dire que là où ils vont en prendre plein la gueule. Mais tu as aussi ça, puissance hémisphérique, c'est assez intéressant. Le capé, tu t'en fous. C'est ça, tu t'en fous en fait. Bah, le capé, c'est juste une info intéressante en première approche. C'est quand tu as un capé élevé, tu peux te dire, OK, il y a des chances qu'il y ait quelque chose. Quand il y a un capé bas, tu peux te dire, OK, il y a des chances qu'il y ait quelque chose. Mais ouais, le capé en première approche, c'est pas forcément trop mal. Ouais, surtout et en le France, BT en fait. Aussi qui est pas mal. Plus il est élevé, mieux c'est. Parce que ça veut dire que tu as un champ magnétique qui est complètement dans les choux, qui part un peu dans tous les sens. Et plus c'est le bordel, et mieux c'est en vrai. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Et la densité, ouais, bon, bah, plus t'en as, forcément, mieux c'est. Mais c'est pas le premier voilà. Truc. Le KPDP est différent. Vous voyez la dégueulasserie que j'ai fait sur mon objectif avec les belles raies sur les lumières. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. C'est bien pour les gens comme Jean, Arnaud, oui, tout à fait. Ah, là, c'est en train de revenir. Chez moi, c'est en train de revenir. Ben moi, ça reste... Les dans le chat, on dort, ils souffrent leur direction de l'est pour chasser les nuages. Ça reste un petit peu timide, en vrai. Hein. Je m'attendais à ce que ça claque plus rapidement que ça. Ah, il y en a toujours gauche, partout, moi, mais... Ouais, ouais. C'est un beau trait, quand même. Il y en a un dans mon chat, il dit « Salut à tous, j'aime le cuir. Et vous ?» Moi, je préfère le latex. Tu vois, c'est ça, en fait. Le latex, c'est bien. Titre, il y en a toujours partout. C'est ça. Le titane qui débarque juste pour un titre. Si tu pouvais... Pardon, j'ai pas pu le laisser passer. Oh la vache. Ah, je sais pas si vous avez entendu le bruit qu'a fait la bagnole. Non. Ah, ça me défonce les oreilles, bordel. Ah oui, je l'ai entendu. Ça a un sifflement, ça, non ? Ouais, mais je sais pas ce que c'est. Ah, c'est le frein. Je pense qu'il a le même problème de frein que ce que j'avais. Je te conseille de pas conduire avec ça. C'est pas une bonne idée. Bah écoute, si dans la pente, il voit qu'il n'arrive plus à s'arrêter, c'est qu'il y a effectivement un problème, quoi. Mais je pense pas que mon frein faisait autant de bruit que ça, hein. Donc là, il doit vraiment avoir le frein complet. Oh la vache, ça m'a vrillé les... Et pourtant, j'ai un casque avec... Enfin, c'est un Bose anti-bruit, là. Donc, ça m'a vrillé les oreilles. Si vous voulez voir en haute résolution, parce que moi, comme c'est du... Entre guillemets, du repiqué de Twitch, n'hésitez pas à aller voir hein, sur la chaîne de Jean. Là, je vois que vous êtes 70. Là, on voit un petit peu chez moi, mais... Ouais, c'est plutôt rouge. Ça a même tendance à être un peu orangé. C'est pas fifou. Il y en a, ouais. Hein. C'est clairement pas un ciel normal, ça. Hein. Mais chez Jean, purée, en Norvège, ça claque. Hein. Et là, le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est plus au sud. Et du coup, malheureusement, c'est là où j'ai toute la pollution lumineuse. Donc, je peux pas vraiment y mettre orienter la caméra vers là. C'est bien pour les jambons aussi. Oh, le jeu de mots. Mais il n'est plus là, jambon beurre, on ne le voit plus. Bonne nuit, Woland. Bonne nuit, monsieur Woland. Ah, Woland va dodo. Il va voir s'il y a des oiseaux dans son lit. Ok, eh ben, écoute, j'espère je te souhaite une bonne nuit, Woland. Et je crois que je ne t'avais pas dit le bonsoir, Tienou. Bien le bonsoir. Moi non plus. Tienou, il fait l'aller-retour sur son balcon pour voir ce qu'il envoie.
Comment poser des yeux, ouais, bon courage. Hein. Là, à l'œil nu, en France, je pense pas qu'on voit grand-chose. Honnêtement, vu comme c'est là, je pense que ça va être compliqué. Mais on sait qu'il y a quelque chose, mais c'est pas suffisamment puissant pour être visible à l'œil nu. Ben là, on est Il y a vraiment... Guy-Marie Grégory qui dit c'est la courroie de distribution qui fait ce bruit-là. Putain, si la courroie de distri fait ce bruit-là, je donne pas cher du moteur. Ah, tu m'étonnes. Mais ouais, là, on est dans ces périodes de frustration, où, enfin, en tout cas pour moi, où je sais que ça doit péter. Mm. Et c'est juste là à teaser un petit peu et à... ça veut pas vraiment exploser. Ce qui s'est passé la dernière fois, d'un coup, ça, t'as levé les yeux au-dessus et ça avait pété au-dessus. Regarde au-dessus. Ah merde, c'était... Non, je regarde ouais, partout dans le ciel et... La batterie. Non, c'est, vous noterez c'est quand juste même que le ça mec enregistre. Qui dit, ouais, c'est... Vous noterez quand même que le mec, il dit, ouais, c'est... ça va, c'est pas ouf. Le mec, il a des colonnes vertes qui sont visibles à l'œil nu. Ouais, c'est vrai, c'est moche, le mec il se plaint, quoi. C'est normal. Je suis habitué à un certain standard. Bonne nuit, Polo. Bonne nuit, Polo. Bonne nuit. Après quelques années à Tromsø, je suis habitué à un certain standard. Ouais, bon. Standard, je ne retrouve pas à Bergen. C'est normal, tu n'auras pas ce que tu avais à Tromsø. Ne rêve pas. Tu n'as pas la lune en ce moment? Elle est couchée là, à cette heure-là, la lune. Non, elle se lève là. Ah, mais oui, mais toi, t'es plus au nord. Oui, alors, non, là, elle se couche, pardon, elle se couche, excuse-moi. Ouais, non, je crois qu'elle est couchée ici. J'ai vu d'avoir le dernier quartier, moi, quand j'y serai. J'ai vu qu'il y a le dernier quartier de lune. Bon, bah, j'ai été jeter un œil. Y a Tinou qui dit, bon, ben, j'ai été jeter un œil, Cotentin, ciel toujours bien dégagé, mais rien en couleur. À 23h, ils éteignent les lampadaires, peut-être. Ouais, c'est possible. Ah, mais essaye de tenir jusqu'à 23h, Tinou. Et Azerty qui dit, photo prise sur périphérie de Nantes, il y a 40 minutes, ciel bien rose. Tu vois. Je ne sais pas que Chris a tenté. Hein. Ah, bah oui. Je vais lui demander si. Pas lui envoyer de message. Mais surtout qu'il ne dort pas, ce sorcier. Ça me rappelle un petit peu. Ah, attendez. Ah. Tiens. Ça, on est à la limite de la. Ah, je sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Ouais, pas mal. Ça fait vraiment des traits, là. Ah, ouais, rouge, petit truc. Ah, mais ça y est, là, je pense que c'est en train de péter, là, ça y est. Ça s'allume. C'est Noël. Bonne nuit, Ventoux. Ouais, ça me fait penser quand Tania était venue à Tromsø. Tania Louis, vulgarisatrice biologie, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Elle était passée à Tromsø. Et on était sortis sur un de mes spots aurores. Et c'est à peu près comme ça, je pense, dans mes souvenirs. Et je trépignais parce que je voyais que les données, c'était clair que ça allait péter à un moment donné. Et je trépignais et elle était là, ouais, t'abuses, c'est vachement beau. Alors j'essayais de pas trop gâcher parce qu'ils appréciaient, quoi. Mais je savais que c'était rien du tout par rapport à ce que ça allait être. Ah oh là là. Ouais. Et au moment où ça s'est déclenché, c'est vraiment l'intégralité du ciel qui s'est illuminée d'un seul coup avec des trucs qui dansaient dans tous les sens et tout. Voilà. Littéralement, la bouche qui tombe avait « Ah !» Ah oui, d'accord, on comprend mieux. Ah bah ouais, non, quand je dis que je sais que ça doit péter, c'est que ça doit péter. Et quand ça ne pète pas, ça me frustre. Ah bah c'est normal, hein. C'est logique. Là, je vais avoir encore un gros passage nuageux avec certainement une grosse averse. Et a priori, après, c'est totalement dégagé, donc on verra bien. J'espère que ça va. Ça... Nous n'avons pas les mêmes valeurs, c'est ça. La pluie doit arriver à minuit. Donc, je ne sais pas, on verra jusqu'à quand ça tient. Mais logiquement, ouais, la pluie nous arrive dessus à minuit. Mmh. Bon, après, vu le taux d'humidité dans l'air, je ne sais pas jusqu'à quand j'arriverai à tenir avant que... Oh la vache, à l'appareil défiltré, c'est rouge. Ouais, tu m'étonnes, toi.
Ouais, vu l'humidité, je sais pas combien de temps j'arriverai à tenir avant que ça, tout soit complètement détrempé. En tout cas, j'ai un. Franchement, là, quand tu vois comment que ça pète, j'imagine pas si ça continue comme ça au State. À mon avis, ils vont le choper jusqu'à Boston, voire New York. Ils vont pouvoir. Là, moi, je vote pour l'intégralité des US. Parce que là, ça va descendre vachement bas. Hein. Ah ouais. Non, mais parce que, en plus, le nord géomagnétique, il est toujours au nord du Canada. Donc, ça descend de toute façon plus bas au niveau des US qu'en Europe. Mmh. Donc, à mon avis, moi, je pense que l'intégralité des US vont avoir des aurores ce soir. Bah, je sais que le 10 mai, au Texas, j'ai un pote qui était en vacances. Il m'envoie un message. Il fait, mon gars, putain, il y a des aurores boréales dans le Texas, toi. Mmh. Je dis sérieux, il les voyait de Austin. Donc, c'est quand même, et c'est pas fréquent quand même depuis Austin. Hein. Non, même la Floride. Hein. Ouais, je sais, même je Floride, sais. Le 10 mai, il y en a eu partout. C'était assez impressionnant. Non, t'es pas payé, Archibald. oui, le 10 mai, moi j'en avais vu à l'œil nu en Utah, à Salt Lake. En Utah, à Salt Lake, ouais. Ouais, spam du chat de Nico Fé, tu dois 50 euros. C'est pas payé, Archie. Mais il n'y a pas besoin, Archie, de spammer. Ils le savent, les gens. J'arrête pas de leur mettre depuis tout à l'heure. On est 43 sur le live de Jean. Ici, ah, là, Auvergne, ouais. Si elle dégage à 100%, ouais, la corona est un peu faiblissante quand même. Alors, je vais vous mettre deux billets comme ça. Stop. Non, de ce côté. De ce côté, ouais, c'était pas mal. Rouge et un peu au-dessus vert, là. Il y a Dave Marley qui dit « Je confirme, je suis à 1 heure de Nantes et ça pète bien rouge. » Ah bon, bah tu vois. Non, mais, Nico, envoie un message à Chris. À Chris. Bah ouais. Moi, j'ai pas son… Putain, il y en a. Sur quoi ? Mais partout, j'ai pas son numéro de téléphone. Non, mais sur coucou, Discord ou sur Facebook. Ah, attends, je vais essayer. Je te garantis. Le rouge est visible à l'œil nu. Ouais. Ah, oh, c'est trop beau. Là, il est magnifique, là, sur le live. Le rouge est visible à l'œil nu. Ça, c'est chouette. Pardon, Archie, je ne l'ai pas vu. J'ai pas tilté. Je vais prendre ça à l'appareil photo défiltré. Je vais avoir... Ça va être rouge sang partout. Voilà, je vais envoyer un message. Ah, il l'a vu. Ah oui, si je retire pas le cache, forcément, ça fait tout noir. Oh la vache! Oh là là! C'est chaud, l'hypo! Mais il y a une bande, c'est rouge saturé. Mais genre saturé de chez saturé, quoi. Ouais, mais on le voit, là, effectivement. Ouais, mais là, je suis au défiltré, ouais. T'as même pas idée, quoi. Défiltré, ouais. Oh, le rouge! Mais ce rouge. Tu fais bien de me le dire, je suis sorti en début de soirée, mais ce que j'ai pris en photo était pas dingue. J'y vais de ce pas, merci. Ah, mais il est nul. Voilà. Mais t'as qu'à nous regarder. Tu as. Dis que Jean est en direct, toi aussi. Voilà. On est. Dis à mon petit. Direct, espèce d'âne. Voilà, dis à mon petit qu'on est là. Oh la vache, vous avez même pas idée de ce que le défiltré me sort. Ah bah, tu m'étonnes. On verra ça mardi. Ouais, ça, je crois que mardi. Hein, c'est complètement ouf. Ce rouge. T'es sûr que c'est fini par chez toi? Attends, ça va revenir. Ah, là, ça recommence. Vache. Là, c'est en train de remonter. Là. C'est vrai que c'est impressionnant, là, l'image. Hein. Moi, tu t'éclates, là, Jean. Ça va? Jean va choper des coups de soleil, des coups d'aura. Ah ouais, mais ce rouge. JP, hein. Non, c'est ce que tu nous dis. Alors, JP, ça pourrait être un titre dans certaines conditions. Manger un coup de morbier pour me venger. Un morceau de morbier, ouais, tu m'étonnes. Merde. JP, là. Alors attendez, il y a... Qu'est-ce qu'il dit comme bêtise, JP? Il y a Chris qui va manger du morbier, quoi. Ah. Mais tu veux vraiment te faire ban, JP, en fait? Ouais, je crois que... Je reviens.
J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je chante à la place de Jean. Oui, parce que moi, je ne chante et pas. Yvan qui, et Yvan qui essaye de, hein, de te faire chanter, mais voilà. Avec toutes ces radiations de vent solaire étonnant qui n'est pas encore eu le troisième mois, qui pousse dans le dos de Jean. D'accord. On dit pas de fromage dans le chat. C'est hein ouf. Archie. Archie. Ouais. Quoi, on a perdu Archie ou il dit des bêtises micro, il est venu ici en vocal. Ah voilà. Bonsoir. Archie sauvage en vocal. Ah bah il est jaloux. Troisième modo. Il est jaloux. Personne l'empêche de venir. Hein. Par contre, vous entendez Archie, vous? Non. Non. Pardon. J'ai vu son micro s'activer. Ah, ça y est. Ah, ça y est. T'es extrêmement faible. Et voilà. Juste une question. Moi, c'est jaune. C'est normal? C'est étonnant. Ouais, je te jure, j'ai beaucoup de jaune. Ouais, je vois. Putain, moi, le rouge, j'ai pas... C'est pas la pollution, ça. Parce que la pollution, ça me donne pas ça, ce jaune-là d'habitude. Mais là, je suis vraiment dans du jaune. Il y a du rouge, il y a du jaune. C'est très, très ténu, mais ouais, non, c'est assez surprenant. J'ai jamais eu comme ça, en vrai. Mais là, oui, tu vois clairement que le ciel, il est rouge. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Même si ce n'est pas le rouge pétant que tu as habituellement, comme on avait tout à l'heure. Mais ouais, non, c'est... Ah, moi, là, le rouge à l'appareil défiltré, c'est vraiment, je suis sur le cul. Je crois que je n'avais jamais eu ça. Mmh. Rouge et vert, ça donne du jaune en RVB, dit Willow. Bah, c'est un peu ça, hein. C'est un peu l'idée. Je sais pas, c'est bizarre, moi, que ça me le fasse aussi jaune, là. Mais c'est... oui, ce qui est étonnant, c'est que tu es ça soit aussi jaune aussi... en aussi basse latitude. Ouais, c'est quasiment à l'horizon, ton truc de jaune, là, que t'as, Nico. Ta balance est aux fraises, mais tu déconnes, toi, ma balance, elle est pas aux fraises. Non, mais lol. Salut, Laurent, sur le... Non, il y a Arnaud là, qui me dit « Ouais, mais tes nuages sont verts, ta balance est aux fraises. » Non, ils ne sont pas verts, mes nuages. C'est juste que tu as fait trop de montage aujourd'hui et tu n'as pas les yeux en face des trous. Ils ne sont pas verts. La balance est bonne. Il y a un trait qui monte là, le rouge, l'œil de Jean. Là. Sur cette caméra, la balance ne change pas. Tino, tu ne pars pas en voiture là? T'es fou? Sauvage. En fait, j'expliquais pendant que je sortais dehors que j'étais en plein ah derrière, putain l'enfoiré. Et Chris, il vous fait un coucou, voilà. Un coucou fait Chris. Des et il y a un mec qui vient de débarquer plein phare. Ah bah purée. Voilà, bah voilà. Ah purée, et je crois que t'as de la buée sur ton objectif. Je dis ça. C'est Tino. C'est Tino ouais. Qui t'a aimé. À mon avis, t'as beaucoup de buée sur ton objectif parce que vu comment que les étoiles elles font, elles s'étendent comme ça. Ah, c'est ouais. Un peu violent. Alors attends, je vais remettre un petit coup de... De pinceau. De pinceau, ouais. Non, c'est pas ma balance de blanc. Ah ouais, la vache, ouais, c'est encore pire que tout à l'heure. Hey, oh. C'est très très chaud. Le soleil a explosé. En tout cas, ce soir, c'est Broadway. Ouais, tu m'étonnes. Non, en fait, la balance des blancs sur cette caméra, elle ne peut pas changer en vrai. T'es en défilé aussi. Dit, il y a 50 km sur le live, ça sort vert. Ok, d'accord. Ah. Bon, bah, Nico, oui, quoi? Willow, il dit qu'il est à 50 km/h du nord de Nico. Le jaune, ça doit être mon lampadaire. Non, c'est pas ton lampadaire. En général, la pollution lumineuse, elle c'est fait mieux pas là. On voit plus d'étoiles, ouais. Mais il y a quelqu'un qui me dit, ouais, règle ton écran. Pourquoi c'est vert sur votre écran? Ah ouais, merde, putain, c'est mon écran qui n'est pas réglé, quel con. Ah bah oui, forcément, ça peut pas aller. Sérieux? Ah bah bravo. Sérieux? Mais non. Ouais, non, je crois que c'est un problème avec mon écran. Ah oh, putain, l'astronome en mousse. Ouais, comme tu veux. Non, là, pour le coup, c'est peut-être mon écran, effectivement. T'as bien fait de venir, Nikos. Ouais, tu m'étonnes.
Putain, au défiltré, c'est toujours d'un rouge. Mais, mais même sur le live, c'est fou, waouh. Ouais, mais à l'œil nu, ça s'est vachement atténué. Ah ouais? Ah ouais, non, en fait, non. Je pense que ça s'est atténué parce que je me suis pris un coup de plein phare dans, dans les dents, mais en fait, non. Ouais. Ah, le mec, il est arrivé. Du live de... Il y en a un, il sort quoi? Il fait. C'est Willow, il dit ça y est, je suis sur la version Wish du live de Jean. Bah, merci, c'est cool. Attends, je vais voir si la partie verte, là, j'arrive à la voir à l'œil, moi. C'est vrai que c'est impressionnant comment c'est là, pour le coup. Voilà, wow, et ça se fout de ma gueule. Non, toi, tu parles de la balance des blancs de mon capteur, pas de ma. Pas... Si tu m'avais parlé de mon écran, je t'aurais dit ah ouais, t'as raison. Mais non, là, c'est mon. Effectivement, et après, au milieu, là, est magnifique. J'arrive. Hein. Faut investir dans une bonne bande chauffante. Ouais, ben, j'en ai une. J'en ai une. Mais je l'ai oubliée. Parce que moi aussi, je suis un astronome en mousse. Un photographe en mousse, en l'occurrence. Voilà. C'est tellement rare que tu aies des lives. Ben, des horreurs. Ce qu'il y a, c'est que je m'attendais tellement pas à ce que la... oui. Ça arrive ce soir. Moi, j'étais plutôt prêt pour... Enfin, je me préparais plutôt dans l'idée que ça arrive demain, quoi. Ah ouais, d'accord. Il y a des trucs dans la boue à Bergen. Oui, bah vu tout ce que je fais tomber, il y a des trucs... Les gens, si vous avez un morceau de ciel, sortez, parce que même à l'œil nu, je le vois. Hein. Et ça se voit vraiment bien. Hein. C'est impressionnant, hein. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Franchement, si vous avez un petit morceau de ciel, faut en profiter. Parce que là, toute la zone là, toute la zone ici. Ça pleut. C'est, tu vois vraiment que c'est assez vert. Quoi. C'est M31 ou tu sais. Il a pris des photos ou pas, Chris? Bah écoute, je sais pas, il m'a envoyé un message. Quoi. Ouais, à Nantes. Oh la vache! Ah oui! Ah ouais, attends. Putain, ah oui. Voilà, tu vois, vas-y. Ça c'est à Nantes. Voilà, ça c'est chez moi. Ça, c'est à Nantes. Vas-y, attends. Je vois pas. Désolé, Jean, je suis loupé. Non, mais il n'y a pas de ouais. Souci. Ah, c'est violent. Putain. Je vois pas. Bah, regarde sur mon live. Et je vois pas. Bah, attends, je vois une maison. Sur le live. Tu vois pas. Comment ça? Je vois ta maison. C'est ta maison qu'on voit ou pas? Mais t'es en retard de combien d'heures? Ah, ça y est, oui, d'accord, ça y est, c'est bon. Waouh, ah ouais. Toujours la maison. Ah. Ah ouais, là, c'est impressionnant chez Chris. On dirait une peinture. Oh, ouais. Violet. Oh la vache. Je l'ai enfin. Alors moi, les horreurs ont décidé de se foutre dans la pollution lumineuse. Donc, bon. Ah bah bravo. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Il n'y a pas quelqu'un qui vient de prendre une photo au flash, hein? C'est possible, j'ai pas fait gaffe. Pardon, j'ai soupiré. Et je viens de checker la météo. Chez moi, ce soir, il y a des nuages. Je suis dans un désert. Et du coup, il y a des nuages vraiment très très peu de jours par an. Bah non, ce soir. L'autre ah oui. Par hasard. Alors là, en fait, ouais, j'ai à l'œil nu, j'ai tout le ciel qui est arc-en-ciel à peu près. Oh bah tiens, justement, j'ai eu un arc-en-ciel moi tout à l'heure. Voilà, tu vois, en France, ça y est, c'est en train de monter fort. Je suis monté dans ma voiture pour m'éloigner à 60 km de Paris sans regarder le radar météo. Je me décide de le faire et là, demi-tour. Oh putain. Bonne nuit, merci pour le live. Bonne nuit, Zerti. Ah ouais, non, il n'y a rien à faire. La Corona, elle est faiblichonne à la caméra. Elle est moins belle. Non. Redescends. Teuf qui dit, ça y est, ça pète dans le Cotentin aussi. Ah putain, méga il faut que. Il faut que je remette un petit coup de. Ah, oh, ça fait stylé. Ouais, mais c'est quoi ce flash, là? T'as pleu. Putain. Pardon. Ouais. Ah, c'est beau, hein. Qu'est-ce qu'il fait avec ce flash, là? C'est une voiture, on est d'accord. Voilà. Et l'autre, là, le... C'est... Noileux, le mec, là. Mais appelle-le. Dis-lui qu'il vienne et que je l'insulte en javanais. Peut-être qu'il comprendra. Putain, mais sans déconner, arrête de faire des photos avec ton flash, du con, va. Oh là là. Oh là, il a c'est sa frontale qui était directement. Confirme à l'œil nu, on voit bien qui dit Guimarães Grégory. Ah ouais, non, contre... mais là, chez nous.
Je dois avouer qu'il y a plein de gens qui sont en train de prendre des photos avec leur portable, et je vois sur l'écran du portable, on voit les aurores. Je me rends compte à quel point les portables ont fait du progrès en termes de capteurs photo. Je pense qu'avec le portable, je n'arriverai pas. En parlant de ça, je vais faire une, je reviens. En filmant, par exemple, un live direct avec mon portable. J'en sais rien. Portable. Moi, je sais qu'avec le mien, ce n'est pas possible. Mais Ah ouais ? Arrête. Mais le mien est vieux. Ouais. Donc. Le con qui vient de prendre un selfie avec un flash. Non, on n'en parle pas, c'est tabou. On voit bien quand même le rouge, dit Yvan. Yvan. Je sais plus, merde. On a entendu Jean se verser une bière. Non, c'est du thé. C'est du thé. Voilà. Parce que faut que je conduise après. Et en Norvège, ils sont stricts là-dessus. Alors, la probabilité que je me fasse arrêter pour un contrôle est faible, mais je ne prends pas le risque quand même. C'est Johan, pardon. Merci. Non, là, elles sont belles, les couleurs, là. Ah, mais il y a une dose de rouge, c'est fou. Ouais, mais là, tu disais, Archie. Presque les lives que tu faisais à Tromsø. Moi, j'en ai jamais vu, moi. Ben, ça bouge pas autant que... J'espérais qu'à un moment donné, ça claque et que ça se mette à bouger comme à Tromsø. Mais ça veut pas. Mais casse-toi avec tes pleins phares, bordel. Bon, tu te pèles moins qu'à Tromsø, déjà. Ouais, parce que en fait, là, il fait pas si froid et je me suis habillé comme s'il faisait moins 20. Donc j'ai même trop chaud, en fait. Va faire pipi, Johan. Il a dit, c'est maintenant, j'ai envie de faire pipi avec ces histoires. Ouais, moi, tu mets une couche de ton bébé. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis en train de penser à ça alors qu'on parle de pipi, mais pour ceux qui... la pause pipi, il y aura le replay pendant 2 semaines sur Twitch, mais je uploaderai après le replay sur YouTube, évidemment. Oh. Oula. Mince, je ne peux pas dire de bêtises. Ouais, on va se calmer. Dans plus de temps, on va nous faire un fameux striptease des aurores boréales. Ah ouais, moi j'aime bien. De quoi ? Je cherche une bêtise à dire, t'inquiète. Hein. Non mais j'ai entendu striptease et aurores boréales. Ben ouais, moi aussi justement, donc ça m'a tiré quand même. Ah, c'est Yohan qui dit, dans peu de temps, Jean va nous faire son fameux striptease des aurores boréales. Ah ! Oui, sur ma vidéo sur les aurores, il y a un striptease, effectivement. Donc, si vous voulez me voir faire un striptease... Ah non, au contraire, tu t'habilles. Oui, c'est le truc. C'est le striptease des aurores. Alors, ah ouais, je me souviens pas assez bien de tes vidéos, alors. Non, mais tu crois pas que je vais me dessaper devant la caméra non plus, et puis quoi encore? Tu l'as fait, je te rappelle, tu t'es baigné dans le gelé. Valbarde. C'est vrai. Et d'ailleurs, techniquement, il fut un temps où il y avait sur Twitter une photo de moi complètement à poil. Non. Et mais si. Quand t'étais bébé, non ? Non, adulte. Où je me jetais dans la neige après le sauna. Ah, d'accord. Suite à un défi que m'avait fait Pierre. Et du coup, elle n'est pas rentrée ? Pardon. C'est pour ça que je pouvais le mettre sur Twitter. Elle a l'habitude avec le froid. Ah, pardon. Ça va, mon neveu est plus là, donc ça va. En vrai, j'avais flouté cette partie-là. Mais j'étais pas. Disons que j'étais pas au mieux de ma forme. T'avais pas bu du thé. J'avais rien bu du tout. Attends. Ah si, j'avais peut-être déjà quelques gin tonic. Ah. Je me souviens plus. Ça, je vois pas, moi. Ouais, quand tu te rappelles plus. Je vois pas, parce que c'est que t'en as mis dans le corner. Non, non, mais c'était, j'étais tout à fait clair et c'était tout à fait volontaire. C'est Pierre qui m'avait lancé ce défi pour mes 1000 follows sur Twitter. Ah. Et quand on me lance ce genre de défi à la con,
C'est un Ice Bucket Challenge, mais voilà, plutôt... C'est ça. Un plongeant. En fait, il ne m'avait pas lancé... Il m'avait pas lancé le défi de le faire à poil, mais il m'avait lancé le défi de me jeter dans la neige en sortant du sauna. Et only bon, fan, dit JP. Mais ouais, alors, non. Tu es revenu, bon, par trop de lampadaires, j'étais plus loin, mais bon, encore 25 minutes à attendre. Parce le, bientôt, rouge est... le rouge est parfaitement visible à l'œil nu, c'est complètement fou. Ouais, ça c'est nous-mêmes. Mais alors, live, parfaitement ouais. Visible à l'œil nu, je veux dire, c'est... Si j'essaye de filmer avec mon téléphone le live, est-ce que tu crois que ça a marché? Ça se tente. Attends. Alors je pense que la caméra est bien cadrée, mais j'en suis pas 100% certain. Ah, attends, je vais... Ah, je vais pas pouvoir... Ah si, si, attends, je monte là-haut. Attends, je vais faire ça, je mettrai ça en direct. Voilà. Je dirais, hey, je suis en train de voir ça. Voilà. Ah ouais, mais trop loin, je vais perdre la connexion Bluetooth. Eh merde. Ouais, oh, c'est grave. Allez, j'y... pour une photo. Chorizo au bout. J'ai faim. J'ai pas mangé, moi, encore. Oui. Il y a R2-D2 qui essaye de nous parler. Ouais, je crois que c'est la reconnexion qui essaye de faire. Ouais, ça fait flipper quand même. Oui, oui, oui. C'est du langage de combat Klingon. Ah, c'est du langage binaire. 001-001-1100. Ouais. Si j'en vois pas une seule, je crois que j'ai pleuré hein. En 2 semaines et demie. Et là, ça aurait pas pu attendre 2 semaines, quoi. Je veux en voir. Et Nico est parti? Il a dit qu'il s'absentait momentanément. Il a laissé son chat seul. Oh bah le seul, il y a quand même les modos. Hein. Le dernier coup, on a quand même fait de l'IKEA pendant pas loin de voilà. 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Je ne sais pas s'ils nous entendent encore sur le live de Nico. Est-ce que c'est vous nous entendez? C'est complètement fou, hein. À l'œil nu. Ah, ça y est revenu. Ouais, non, c'est impressionnant. J'ai une photo, elle est magnifique. Ah, c'est cool. Oh la vache. Tu le mettras sur Facebook ou Discord? C'est assez... Ouais, bien sûr. Effectivement. Ah non, il revient. Attends. Oh. Ouais, et à l'œil nu, le vert, c'est trop beau. Tiens. Il est à Bergen, mais plus du côté de l'autre côté de la colline, je crois. Oh la vache. Ah oui, c'est beau là aussi chez Jean. On a perdu Nico. Non, je suis revenu, désolé. Un peu rapidement indiquer pourquoi il y a des couleurs différentes. En fait, ça dépend des couches, les hauteurs de couches. En fait, c'est surtout l'oxygène atomique en. Quand les particules, elles viennent percuter, les particules solaires viennent percuter les protons, les ions, les neutrons viennent percuter les particules, enfin l'oxygène atomique présent dans l'atmosphère. Tout ce qui est rouge, au-dessus de 300, entre jusqu'à 300 km, c'est le rouge. En dessous, entre 100 et 300 km, tu vas avoir du vert. Et tout ce qui est en dessous, en règle générale, tu peux choper. Avoir de l'azote, on peut choper, c'est plutôt de ça va aller dans les tons bleu, rose, grosso merdo. Enfin, tu vas avoir plusieurs couleurs par couche, en gros, si tu veux. Et plus ça descend bas, plus la puissance de la puissance des vents solaires est importante, plus ça va descendre bas. En gros, tu as tout un ensemble de choses qui font que ça peut changer de couleur. Tout à l'heure, il y avait du jaune, et le jaune, bah, c'est assez rare quand même d'en avoir. C'est qui m'agresse comme ça par message? Allez, c'est bon, je suis de retour. Désolé. T'as une voix qui est là, Jean?
Oui. Elle voilà. dit, vous êtes localisé où? Je suis à Bergen, mais il y a trop de lumière, et là où je suis, on voit pas bien. Alors, attends, qui est-ce qui dit ça? C'est où au niveau de Bergen? Je suis après le tunnel, non? Je suis bien au nord de Bergen, en fait. Je suis du côté de Stenestø. Voilà, je sais pas si elle t'a entendu. Ah ouais, ça c'est... C'est Yoran. Elle demande si c'est vers la NNH. NH. Non, c'est bien, bien c'est hors de la ville. C'est hors de la ville. Après, oui, tu. Après, à NHH. Tu montes, mais voilà. À l'œil nu, c'est pas fou non plus. Hein. Si, là, à l'œil nu, c'est fou. C'est pour ça que j'étais parti, parce qu'à l'œil nu, c'est fou. Même ici, hein, c'est assez dingue. La vache. Si elle est du côté de NHH, faut monter du côté de Minkebotn. Et je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de sympa du côté de Minkebotn. Comme Okun. Je suis assez lista, oui. Minkebotn. Voilà. Bon, bref. Et au plat, je pense qu'elle a entendu. Ouais, c'est le mot de passe Wi-Fi, quoi. C'est ça. Ouais. on va parler des villages alsaciens. Je suis en Alsace, dans le secteur de Célestat. Oh la vache, ça pète de ouf chez toi. C'est dingue. Ah ouais, non, mais, et puis là, c'est quasi pareil à l'œil nu. Hein. Oh, c'est bon, elle a entendu. Elle te remercie. De rien, avec plaisir. Ah, mais c'est. À l'œil nu, il y a toutes les couleurs qui sont visibles. Coucou, putain, sur l'appareil défiltré, on dirait du feu. C'est magnifique. Ouais, mais... Non, mais pour que mon téléphone qui fait des photos de merde arrive à voir le vert propre, le rouge propre et tout. Ah, ça pète. Voilà. Je confirme, le dernier coup, tu m'as envoyé un selfie de toi, c'était vraiment pas beau. Hein. C'était en noir et blanc, c'est normal, c'est les filtres mignons. Non, mais ça, c'était Nico, c'est normal. Alors, les gens du sud de la France, vu comme c'est en train de péter, là, il y a peut-être moyen, mais il faut que vous soyez dans une zone bien noire et que vous regardez bien au nord. C'est toi. Je te parle pas, parce que là, il y a des gens de Montpellier, Marseille, c'est très bas, mais il y a peut-être moyen si vous regardez plein nord et que vous avez une vue parfaitement dégagée. Parce que vu comme c'est en train de péter, là… Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, la caméra est à courte batterie. Ah, mais bon. Après, profite, toi. Ah, mince. Attends. Ouais, profite. T'as fait quand même 2h20 de live. De toute façon, dès que la caméra lâche… Alors, j'ai prévu de plier le matos et d'aller sur un autre spot. La vue commencer, je pense que je vais rester là encore quelques petits moments. Tu m'étonnes. Parce que là, ça n'a pas besoin de bouger. À l'œil nu, c'est complètement taré. Mais vraiment, mais là, vraiment taré, quoi. Un truc de ouf. Quand on regarde ton live, on voit vraiment pas mal. Hein. Ouais, non, mais là, je suis jalousie. C'est pour dire, c'est que sur le live, c'est quasiment ce que j'ai à l'œil nu. C'est pas si souvent que les couleurs soient pas exagérées. Mais là, le rouge est bien vif à l'œil nu, le vert est bien vif à l'œil nu, c'est un truc de fou. D'ailleurs, tout le monde est en train de prendre des photos. J'ai pas vu qu'il y avait des gens qui étaient arrivés dans Discord, là. Désolé, les gens. Au plan. J'en profite, parce que là, visiblement, ça va être la fin du live, pour passer dire un petit bonsoir à mes collègues du Café des Sciences, que ça fait longtemps que je les ai pas vus. depuis tout à l'heure, j'étais en train de me demander, alors attendez, ça pourrait être sympa que je fasse une petite modélisation d'aurore boréale. Comment je pourrais faire un truc qui soit facile à comprendre par n'importe qui, parce que c'est de la vulga et je le sens pas en fait. Et un flash. Bon, alors attends, faut que je fasse un modèle d'électron qui traverse l'atmosphère. Bon, bah, donc du coup, il faut quand même que je fasse un modèle d'atmosphère. Ok, ça on sait comment faire. Si jamais que les équations de Navier-Stokes. Bon, alors derrière, donc il y a la ionisation. Bon, il faut aussi mettre un modèle de lumière. Ok, c'est mort. Ça fait un code super compliqué, c'est dommage. T'as FF71 Generali qui dit visible à Lyon. T'es pas dans le secteur, toi? Bah oui, non, il pleut. Arrête. Bah apparemment, il y en a un qui dit c'est visible à Lyon. Tout à l'heure, j'ai regardé, il pleuvait.
Ouais, mais alors, regarde dehors, des fois que ça, qu'il ne pleuve plus et que ça se soit engagé. Moi, je suis du côté sud, moi. Oh la vache, comme ça explose, là. Ouais. Là, c'est complètement taré. Là. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Là-bas. Là, ouais, là, c'est l'apocalypse. Les gens, c'est la fin du monde. Le mec, c'est qui veut rassurer tout le monde. Tout va bien se passer. Vous souffrirez un peu, mais c'est tout. Voilà. La fin du monde, ouais, mais en Norvège, donc. C'est impressionnant, là. Ah, c'est vraiment. Ça va faire comme la dernière fois, c'est au moment où ça pète pour de vrai. Non, mais c'est pas grave, la caméra va couper. On a déjà vu. C'est... Moi, je m'en vais, ça pète quand quand j'y serai, quoi. Mais Jean, pourquoi tu n'achètes pas 10 batteries? Tu le sais en plus. Ouais, il faudrait que je le fasse, ouais. Ah, et en plus, là, il y a plein de brume sur l'objectif. Voilà. les photos que tu as prises, elles doivent être vraiment pas mal. Hein. Ah ouais, non, mais après, c'est... Tu as une batterie sur ta voiture, genre. Oui, mais le problème, il a déjà branché son ordinateur sur la batterie. Non, mais c'est même pas ça le problème, c'est que j'ai essayé de brancher le câble USB sur l'appareil photo, mais l'appareil photo, ça supprime l'image sur l'export HDMI, je sais pas pourquoi. C'est frustrant, c'est très 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 frustrant. Effectivement. En tout cas, tu as les gens sur mon live qui te remercient pour le partage de ces images parce que c'est incroyable. Mais les gens, par contre, je tiens à le dire, franchement, ils me laissent prendre son flux, mais allez voir son live sur Twitch, vous verrez en meilleure résolution que là, ça pète de ouf. C'est vraiment impressionnant. C'est plus impressionnant que le stream, quoi. Là, c'est vraiment... Alors, en vrai, c'est moi, je m'en lasse pas. Hein. Mais c'est imaginez, ça va faire 9 ans en janvier que je suis en Norvège et je ne m'en lasse pas. C'est toujours. Et là, les couleurs sont visibles à l'œil nu. C'est un truc de fou, quoi. Mais regarde mon ciel à moi. C'est juste. C'est quoi que tu puisses pas regarder, mais c'est impressionnant la gueule de mon ciel. Il est vert, rouge. Il est dans. Franchement, c'est impressionnant. Ouais, j'ai jamais vu un ciel pareil. C'est... Sachant que. Bah là, moi, j'ai une énorme flamme qui couvre la moitié du ciel. Mais là, c'est impressionnant. Quoi. Et pour le coup, ce genre d'aurore, je ne les vois pas comme ça à Tromsø. Parce qu'en général, c'est vraiment directement au-dessus de la tête. Ouais. Ouais, j'ai regardé un petit peu les prévisions à propos de météo du ciel. Les prévisions sur. Alors, c'est sur les mois à venir, sur l'activité solaire, mais il y a des chances qu'on arrive sur un pic d'activité. Donc... Bah, là, j'en veux, globalement prévu que le maximum solaire soit pour cet hiver. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, tu vas pouvoir prévoir quelques lives aurore boréale. Ouais, mais encore faut-il qu'il fasse beau, quoi. C'est fou, le 20 mm n'est pas assez grand. Ok, tu passes au 4 mm. Bon, on va tous avoir envie de vomir parce que ça va être tout déformé. Mais... Ah non, le problème, c'est que sur le 4 mm. Moi, alors, j'ai pas un 4 mm, mais j'ai un 8 mm. Mais il ouvre pas suffisamment pour pouvoir être utilisé sur du stream. Ah. Donc, je suis en train de prendre des photos avec le 8 mm, qui est au passage un fisheye. Donc, ça fait des déformations bizarres. Ouais, ça va faire des dev photos le mardi, mais de temps. Alors, est-ce que si je fais... C'est Joe. Ouais, c'est ça, bienvenue, c'est Joe. Le live développement live, ça va être quelque chose. Ah ouais, 52 personnes. On est 52 là sur le live. On est 52 sur mon stream, la vache. Bienvenue tous les gens. Alors, je suis désolé, j'interagis pas du tout avec le chat parce que je suis vraiment trop occupé avec mes appareils. On l'a remarqué. Hein. Ah, c'est pour ça, profite. Il s'en fout de ses abonnés. Vous ne cherchez pas, il est toujours comme ça. Donc. La mauvaise foi. Oui. Avec des amis comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Hein. Mmh. Oh la vache, ça, qu'est-ce que c'est magnifique. Beau. Bah, j'espère que les potes à Bergen sont en train de regarder. Parce que là, s'ils sont en train de rater ça. Alors, aux 52 aux 51 personnes qui regardent,
évitez de vous démettre la mâchoire en étant bouche bée. Franchement, ce serait con pour aller changer ça pour ça. Ah putain, c'est fini. Ça y est. Ouais, si, ça y est. Ça y est, ça y est. Ah, la caméra est... Voilà. Nous, on a un petit décalage. Ah, alors, attendez. Oh, je vais retenter en branchant le... En rebranchant l'USB. Il y aura moins de déboîtement de la mâchoire, c'est bon. Ouais, voilà, c'est... Jean, il vous sauve. C'est pour l'instant du public. C'est vert, là. Ouais. Vous nous entendez encore ou pas? Oui. En tout cas, c'est impressionnant chez moi. Là, ça y est, je commence à voir les colonnes rouges qui apparaissent là derrière les nuages. C'est un truc de malade. Hein. C'est complètement hallucinant. Alors, j'ai joué un peu avec les couleurs pour voir. On verra ce que ça donne. On peut mettre le lien de Nico, Jean ? Oui. Ouais. Oui, évidemment. Ah oui. Mais moi, je suis sûr que je pensais que vous l'aviez déjà fait. Voilà. Non, pas. Je sais pas. Peut-être. On m'en fout, moi, en fait. Mon archi travaillait donc. Voilà, dès que c'est fini sur Twitch, vous pouvez aller voir Nico aussi. Ou si vous avez multi-écran, hein, si vous avez possibilité. Ah, mais là, pour l'instant, c'est noir. C'est noir. Je vais tenter. Il n'y a plus d'espoir. J'avais la batterie dans la poche du blouson. Peut-être qu'elle a réchauffé suffisamment pour pouvoir me donner un tout petit peu de jus supplémentaire, histoire de rester un tout petit peu plus longtemps. Ouais, c'est pas grave. Attends, il est... Il y a des endroits un peu plus chauds quand même. Que la poche de blouson. Il est bientôt 23h, Jean. Ville, il y a un film que peut acheter, ça peut le faire. Non, pas vraiment. Attends, pas pourquoi vraiment, je peux pas Il est 23h et alors il est que 3h de l'après-midi, c'est bon. Oui, mais d'habitude, les lives, ils finissent à 22h. Oui, mais d'habitude, je suis pas en train de filmer des aurores. Ah putain. Attends, voilà. Oh. Ah, voilà. Surveillez votre langage, monsieur Jean. Alors, il y a The Studio Hades qui... Mais c'est pas mal. Bonsoir dans Split. De quoi, excuse-moi ? Je disais, en fait, du coup, comme Jean a perdu, a perdu ses caméras, je regardais un petit peu ton flux, là, chez toi. Il y a un peu de nuages, mais c'est pas mal, quand même. Hein. Ah, bienvenue, chez Jean. Ouais, non, il y a du nuage, mais en même temps, t'es en Alsace. Ah, hein, j'ai de la chance d'avoir un morceau de ciel clair. Hein. T'es revenu. Donc, oui, effectivement. Ah, oh. Oh, la belle rouge. Ah, on le voit vachement. C'est rare qu'on le voie autant, il me semble. Qu'on voit. Et puis, c'est qu'à l'œil nu, il est très, très riche aussi à l'œil nu, quoi. Parce que bon, à la limite, le rouge, il est toujours plus ou moins là, mais là, c'est à l'œil nu, quoi. Je reviens, je vais essayer de voir. Là, à mon avis, vu comme ça pète à mon écran, je les vois à l'œil nu, le rouge aussi. Je vais regarder. Vas-y, va voir, Nico. C'est un double stream, là. On se débrouille de divertir ton chat, t'inquiète. Comment ça va, les gens? Ouais, je compte sur vous pour divertir le chat, hein, parce que là, moi, je suis trop occupé. Ah ouais, non, mais éclate-toi. Qu'est-ce qu'il faut qu'on raconte? Voilà. Tu veux que je te... Attends, ton live, ton compte Twitch, monsieur Jean, il est situé... Ah non, je peux pas le faire si Nico, il est basé en France, c'est mort. Je proposais de lire Le Petit Prince. Mais sauf que pour les streams en France, c'est compliqué. Il est toujours sous droit d'auteur, mais pas à l'étranger. Ah bon ? D'accord. C'est quoi, oui, cette parce connerie ? Que ils ont fait une exception parce que Saint-Exupéry est décédé en ayant effectué un exploit. Je me souviens plus comment ils disent ça, mais vu qu'il est décédé pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il faisait une mission, ils ont étendu de 5 ou 10 ans le droit d'auteur en France. Oh putain, ouais. Ils sont relous avec ça. Ah, oh, ils veulent se faire un peu plus de flou sur le Petit Prince. Moi, je dirais pas du Lyonnais, mais c'est pas grave. Hein. Quoi ? Ouais, mais ils sont quand même super relous. Pour les droits d'auteur, oui. Ah, je comprends la logique de garder les droits d'auteur tant que le mec est vivant, mais une fois que le mec est mort, franchement, c'est grave abusé. Allez, pour ses enfants. Bah, ils ont qu'à écrire la suite. Ils ont qu'à écrire la suite, les enfants. Attends, la suite du Petit Prince. Est-ce que je te rappelle que le Petit Prince est mort à la fin? Non, désolé, je refuse. Bah non. Il est pas mort, le Petit Prince? Non, alors, il est retourné vers sa planète.
Oui. Depuis 2015, le livre est dans le domaine public dans tous les pays du monde, sauf 4, la France, les États-Unis, l'Espagne et l'Italie. Ouais, il n'est pas en... Oh, non. Chez moi, il n'est pas. Ah, oh, je suis déçue. Bien le bonsoir, Obi-Yan. Mais j'arrive pas à savoir quand est-ce qu'il tombera dans le... Les gens, si vous avez un peu de ciel, allez dehors parce que c'est juste jusqu'au plafond, on voit que c'est rouge, quoi. Non, mais non. C'est rouge jusqu'au plafond, quoi. J'ai jamais vu ça. Je peux dire qu'une fois dans ma vie, en Alsace, j'aurais vu... Météo France. Monsieur Astronico, est-ce que j'aurais droit de vous pourrir si j'ai que des nuages chez moi ce soir? Vas-y. Si tu veux, mais là je suis ému en fait. Tu vois, j'ai jamais. Ah non, mais franchement, je comprends parce que la première fois que j'en ai vu, donc le 10 mai, oh la vache. Mais je te jure, c'est incroyable. Le rouge, il est vif, mais c'est un truc de dingue. À l'œil, je n'ai jamais vu ça, quoi. C'est incroyable. Écoute, je crois que. Ah, ça y est, la deuxième batterie est tombée. Alors, si je refais un dernier swap de batterie, est-ce que je peux gagner encore quelques minutes? Je vais demander. Ah, ouais, hein. C'est dans le rouge chez toi, Astronico. Ah non, mais c'est ça tu. J'ai des frissons, quoi. J'ai jamais vu ça à l'œil. Là, c'est incroyable, quoi. C'est complètement dingue. Pourquoi ça repart pas là sur la capture? Je suis un peu deg d'avoir ces passages nuageux, mais franchement, quand je vois déjà ça, tu vois qu'il y a du vert qui se dessine entre les nuages, quoi. C'est... Ah ouais, et le rouge, tu le vois entre les nuages, quoi. On le voit bien là sur ton stream. Hein. Je vais essayer de vous pointer côté est, parce que côté est, c'est encore pire. Ah ouais, c'est un truc de malade. Ouais, alors attends, j'arrive. Ah voilà, c'est revenu. Alors là, on est vraiment sur les tout derniers électrons des batteries. Je pense que c'est... là, une fois que ça coupe sur celle-là, j'arrête. Mais ouais. En tout cas, merci hein, pour nous permettre de bon savoir. Juste quand même, avant que ça coupe, il y en a partout. Bon, il y a de la buée hein, sur l'objectif. Ouais, on voit là, ça s'étend bien. Hein. Ouais. Oui, on voit la buée. On voit la buée aussi. Alors moi j'ai regardé chez moi, il y a des nuages, des lampadaires, je vois rien. Heureusement que vous êtes là. Allez Tinou, tu vas aller le voir aussi. Tu prends des photos Tinou, hein, d'accord? Nico est parti faire des photos là. Il est allé mettre la caméra côté est. Ok, j'allais lui demander s'il était aussi sur Twitch pour le raid. Hein? Non. Il est sur YouTube. Il est que sur YouTube. Non. Ouais. Parce que je pense que plutôt que de faire un raid, aller chez Nico, quoi. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on a mis le lien tout à l'heure. De toute façon, je pense que tous ceux de Nico, ils sont sur ton raid. C'est possible que tous ceux de Nico soient chez moi. Enfin, peut-être pas tous ceux de Nico, mais une bonne partie de ceux qui sont là. À bon paquet. Il y a littéralement. On a eu 40 000. Il y a littéralement un arc-en-ciel d'aurore qui prend la moitié du ciel. C'est ouf. C'est ouf, ouf. Évidemment, ça prend la moitié du ciel là où il y a la pollution lumineuse. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Allez, la dernière batterie est tombée. C'est arrêté là, je crois. Ouais. En tout cas, c'est la fin. Si je prends des photos, demain, ça va être chaud au boulot, non? Ouais, bon, écoute, c'est pas grave. T'en fous. Ah, c'est. On aura des étoiles plein les yeux. Et moi, je pense que là, je suis parti pour rester jusqu'à 2-3 heures du matin. Enfin, je vais plier mes affaires et. Vas-y, tranquille. Je vais plier mes affaires et puis. Là, t'as 2 heures et demie de live. Je vais bouger sur un endroit où je serai un petit peu plus tranquille en termes de personnes et en termes de pollution. Mais je pense que je vais rester dehors encore un moment parce que, attends, je vais regarder les données, mais il me semble que. On en est où? Ça y est, où est-ce que je l'ai mis? Ah ouais, non, je confirme, hein, je suis encore dehors un petit moment. Oh la vache! Eh bah, profite bien. Allez, profite, éclate-toi bien. Amuse-toi bien. Prends écoutez, je vais voir beaucoup de photos mardi prochain. Il y aura, c'est promis. Les gens, je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui étaient parmi nous ce soir.
Alors, attendez. Je vais mettre le lien du Discord. J'aurais dû le faire plus tôt pour ceux qui voulaient rejoindre en... Attends, on va le dire. Non, laisse tomber. Voilà, c'est bon, tu l'as mis. Ouais. Okay. Pour ceux qui auraient voulu rejoindre en vocal, mais est-ce que je peux peut-être activer ma caméra d'ailleurs pour les dernières minutes. Quoi, chez nous. Fais des belles photos, chez nous. Non, a priori. Pourquoi vous devriez me voir pourtant, je comprends pas. Sur où? Sur le live? Ouais. Sur Twitch. Non, bon. T'as sacrément bronzé à coup d'aurore boréale. Ah oui, bienvenue Francis. Non, mais voilà. Bienvenue, désolé. Bon, vous pouvez pas me voir, donc ça restera un écran noir. Allez, vas-y, noir. Profite. Donc le Discord, je vous confirmerai si je fais le développement photo mardi ou pas, puisque mardi, c'est un peu quand je peux. Et puis sinon, vous pouvez toujours revenir dimanche. Logiquement, dimanche, il y aura stream. Hein. Ce sera du jeu, ce ne sera pas des aurores. Mais... putain, c'est ouf. Voilà. Et là, je vais pas faire de raid. Hein. Je vais vous laisser tranquillement migrer vers chez Nico sur YouTube pour continuer à avoir des aurores. Il y a des raids. Ouais, c'est compliqué les raids entre YouTube et Twitch. Ouais. Bah, t'aurais été sur Twitch, j'aurais fait le raid, mais c'est vrai que là, ça va être compliqué. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Enfin, en tout cas, encore merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Je suis désolé de ne pas avoir interagi avec vous parce que j'ai profité. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'aurore. Donc, j'ai profité à mort. J'ai pris des photos. Et puis, merci à ceux qui étaient en vocal sur Discord. De rien. Écoute, merci à toi. De rien. Bon live. Merci de ton partage. Ah bah moi c'est toujours. Regarde chez moi, c'est beau aussi. Si tu arrives à choper le visuel chez moi, tu vas voir. Ouais, vu que là, si le stream lag, c'est pas grave. Je vais en profiter pour aller voir vite fait à quoi ça ressemble. Je mets la photo sur Discord. Alors. Les nuages sont verts. Les nuages sont verts. Mais ouais, si je pouvais partager les aurores plus souvent. Oh putain, il y a une corona de ouf. Attendez. Arrête. Non, mais arrête. Attendez, faut que je prenne la photo. Je couperai le stream après, là, je prends la photo. Là, il y a des priorités. Voilà, et moi, je t'envoie la photo de chez Nico. Là. Une belle tâche rouge, Nico. Là. Ah ouais, non, mais dites-vous juste une chose. C'est que là, quand on lève la tête. On voit cette tache, on se dit, mais c'est quoi ça? On se dit, le ciel est en feu, littéralement. C'est une grosse langue rouge comme ça, énorme, avec une toute à la base, c'est vert, mais vraiment vert. C'est con qu'il y a la maison du voisin et le garage. Mais si on regarde bien, putain, derrière, c'est incroyable, à l'œil nu. Si vous avez un peu de ciel, les gens, regardez vraiment à ras des pâquerettes pour les gens du sud. Je suis sûr qu'il y a moyen que vous chopiez quelque chose visuellement, parce que franchement, c'est assez impressionnant, quoi. Oh la vache. Ferme le stream. Non, mais là, je peux pas fermer le stream. Je prends des photos. Vous avez même l'idée de la corona de ouf que j'ai au ta gueule. Attendez. Faut que je tente un dernier swap de batterie parce que là, c'est pas possible. Allez, je tente un dernier swap de batterie. Sinon, tu peux te taire ou comment que ça se passe? Allez, s'il te plaît, redémarre. Ah putain, il y a trop de buée, ça rend pas bien. À Tromsø. Ah, c'est ouf. Hein. Franchement, là, j'ai des frissons, moi, rien que de voir ça. Hein. Il pleut chez moi. Ça a disparu le temps que je m'en occupe. Ah, mais c'est pas grave. T'as pris des photos? Oui, j'ai pris plein de photos. C'est pas beau de teaser comme ça. Mais tout rien. Donc, mardi, tout le monde rendez-vous sur le stream de Jean. Voilà. Mardi, 20h à 22h. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Ce coup-ci, je termine le stream pour de vrai. Filez chez Nico. Amusez-vous, profitez-en.
Et puis ben, on se retrouve dimanche pour ceux qui veulent ou mardi pour le développement photo. Ciao tout le monde et merci pour ceux qui étaient en vocal. Bonne soirée. Allez, ciao. Bisous. Bye bye.